Ouais, donc salut à ceux qui nous rejoignent, hein, bienvenue. Donc ben, on va vous expliquer un petit peu le principe. L'idée qu'on avait, c'était ben, de vous donner un rendez-vous pour l'instant mensuel au début, ben, justement pour répondre à toutes les questions de la communauté, essayer de clarifier certains points de règles ou certaines interrogations que vous pouvez avoir sur les scénars, sur les règles, sur les profils, sur tout un tas de choses. Pourquoi pas peut-être vous annoncer aussi ce qui risque de sortir par la suite, mais bon, ça ne sera pas le plus gros volet. Je sais qu'il y en a qui seront très friands de ça, mais ce ne sera pas le plus important. Et puis aussi, bah, discuter peut-être de nos choix, de discuter d'esthétisme en sculpture ou en peinture, puisque j'ai vu que ça avait pas mal commenté lors du poste de Franck Paubert. C'est une super bonne chose, on est resté en off parce que ça ne me paraissait pas être le bon endroit pour que nous on s'exprime là-dessus. Les pages Facebook, les groupes Facebook, c'est à mon avis, c'est pas le bon endroit pour qu'on rentre dans des débats sur le chara-design, sur les choses à apporter, parce que ça doit rester, à mon avis, très objectif et très, très consensuel au niveau du jeu, les groupes Facebook, en tout cas de notre part. Après, vous êtes libre de dire tout ce que vous avez envie. Tant que ça reste courtois, quoi. Mais nous, c'est, je pense que ce n'est pas notre rôle d'intervenir dans les groupes, en tout cas sur les lignes directrices de TGCRM et sur son mode de fonctionnement. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce serveur, que Gwen a créé le serveur, pour pouvoir justement bah, répondre à toutes les questions un petit peu plus Technique. techniques et aussi propres à TGCRM. Son développement, son mode de fonctionnement, les pourquoi, les comment ça se passe comme ça, qu'est-ce qui fait que bah, en ce moment c'est un petit peu différent d'habitude, pas que pour TGC, mais pour tout le monde, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on en prend tous plein la tronche là, et que du coup, bah, effectivement, il y a des rythmes qui ont été changés, modifiés à cause du Covid et de sa gestion, et donc bah, voilà, on est là pour répondre à tout ça. Bah ouais, tu nous vois. Forcément, tu nous vois. Alors, on n'est pas peut-être pas sous notre meilleur jour là. On a fait exprès d'être un peu en contre-jour pour pas que vous voyez les affres d'un an et demi de confinement. Ouais. Mais on a toujours le sourire, vous inquiétez pas. Tout est dans le jus de pomme, de toute façon. Voilà. On aurait dû prendre le chauffeur. Moi, j'ai toujours tendu le cheveu. Pour répondre à ta question, Lionel, puisque tu avais posé une question, à quand le prochain Orénoc? J'ai répondu, tu as vu, j'ai dit 2026. 2026? Ouais. Gustave Danseuse, attention. Ouais, on fera peut-être pas les Kérops, on fera des crocos en danseuse pour commencer. Toi, il va répondre qu'il va bouder. Il faut tester, mais en fait, ton test, c'est sympa, mais sur le chat pour les lives, vous voyez pas les messages historiques, justement, pour éviter de le polluer, vous voyez que les messages au moment où vous êtes connecté. Nous, on voit tout, donc si vous dites une bêtise, on peut remonter et ressortir les dossiers, mais vous voyez que au moment où vous êtes connecté, les messages. Un petit Suisse qui vient de se connecter. Ah, salut Nathanaël. Et félicitations pour l'organisation de ton tournoi. J'ai répondu un peu tard à ta demande. Hésite pas à me confirmer ton adresse. On s'engage à vous envoyer un petit peu de dotation pour ton tournoi. J'attends juste que tu me dises combien tu prévois de gens et où est-ce que j'envoie ça. Parce que c'est une évidence qu'il faut qu'on plussoie les bonnes volontés comme la tienne à réorganiser du jeu organisé. Tiens, bon, bien redondant celui-là. Voilà, à vous motiver à refaire des événements, des tournois, des concentres, des démos, tout un tas de choses pour que Briscard et Carnage revivent à nouveau comme c'était le cas en 2019. On s'est abruptement quitté après Cannes en février 2019. On était sur une lancée formidable. Il y avait plein de gens, il y avait plein de monde, il y avait plein de motivation. Et puis bah, ça s'est calmé forcément. Ça fait bientôt 1 an et demi. J'espère que ça va repartir comme en 40 dès que ce sera possible, quoi. Et du nouveau sur les événements probables à venir. Bah, alors, je ne sais pas si on doit t'appeler docteur. Ou Vincent, mais en tout cas, les premiers trucs que je peux te dire, c'est que j'ai reçu le dossier d'inscription pour L'octogone?
Orléans joue en tout premier, ce sera le 29 et 30 août normalement. J'ai pas encore confirmé, mais on y sera. J'attends juste de savoir les modalités sur le pass sanitaire obligatoire, enfin comment ça va se passer au niveau gestion de Covid pour le salon. Ça va déterminer pas mal de choses de toute façon pour tous les salons à venir. Mais 29-30 août, on sera à Orléans, ça c'est une certitude. Orléans, c'est juste un salon. Il n'y a pas forcément de tournoi de prévu, etc. C'est en extérieur, dans l'ancien C'est cloître un du manif. magnifique site qui s'appelle Campo Formio. Je vous invite, si vous avez possibilité d'y aller, c'est juste super beau. Ça se passe en général sous le soleil, puis la fin août, à mon avis, ça va être le carnage. C'est un salon super agréable. Il y a beaucoup de jeux de société, il y a pas mal de jeux de plateau, il y a énormément de jeux en démo. Il n'y a pas forcément grand monde au niveau FIG, mais la dernière fois, il y a 2 ans, Il y avait Alchemy. il y avait Alchemy, il y avait quoi, 7, 6 ou 7 stands de figurines pures, et après, c'était du jeu de société. Du petit jeu, il y en a pour les petits, les très petits, il y en a pour les grands. C'est vraiment un bon petit salon, c'est assez familial, intimiste. Il y a tout sur place, c'est en mode très écolo par contre, il faut aussi attendre. Toilettes sèches, on garde son godet toute la journée pour aller servir à boire à la cafette qui est installée. Mais c'est un salon super sympa. Et le fait que ce soit en plein air, sans les contraintes par exemple de Paris Éludique, avec de la poussière dans le nez pendant tout un week-end, c'est vraiment un super salon agréable à faire. Donc ça, c'est pour fin août. Et puis après, ça va s'enchaîner à mort au mois d'octobre. Si on confirme tout, il y aura l'Octogone, le tout premier week-end D'octobre. d'octobre. Ensuite, il y aura le French War Game Day qui Une est semaine plus calé tard. la semaine d'après, le week-end d'après. Le Hammer Time devrait se passer le 23-24 octobre. Oh, on avait rien. On peut le faire en parallèle. Normalement, on pourra, ouais. Essen, ça va être un petit peu mort parce que, les contraintes sanitaires, les nécessités d'inscription, etc., font qu'on ne sera pas à Essen cette année, mais si ça redémarre bien, on va tout faire pour y être l'année prochaine. Il y a le salut aussi. Le Salute au mois de novembre, qui devrait se passer le 13 novembre, normalement. Ça va pareil dépendre énormément des contraintes douanières maintenant, parce qu'il y en a, et je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer. C'est très difficile d'avoir les infos là-dessus. Adrien nous avait donné quelques pistes de réflexion sur les douanes. André, je veux dire, André, André, je... enfin, Xavier ou Walter ou Alexis. Bah, pas, il a connecté sur Wallou. Salut Walou, C'est son nom de guerre sur c'est ton Discord. huitième pseudo. Donc ouais, on va essayer de définir tout ça, de clarifier pour savoir avec quoi on doit venir, la liste de ce qu'on amène, etc. Comment se passe la déclaration des ventes, des douanes, etc. Et puis bah aussi respecter les contraintes sanitaires qui vont se faire. Donc le salut va être très dépendant de ce qu'on nous impose en passant la frontière et puis en étant sur place. D'ailleurs, s'il faut passer de la marchandise de contrebande, oubliez-nous, il n'y aura pas de place dans le camion si on vient. Ouais, non, je pense qu'on va essayer de remplir le camion au maximum pour. On a beaucoup de choses sur Carnage en anglais, puisqu'on avait tout traduit grâce aux caisses, on avait toutes les cartes, tous les profils, toutes les publications, le bouquin de règles, etc., en anglais. Donc on arrive les bras chargés pour le salut. Après, tout ça, c'est soumis aux restrictions qu'on aura ou non. Mais voilà, pour l'instant, on est. Sachant que la plupart des salons, en fait, dans le salon annonce, on vous annoncera au fur et à mesure, alors je ne sais pas, peut-être 15 jours avant ou une semaine avant, les dates à venir en taguant pour tout le monde. Comme ça, vous aurez les dernières infos à jour. Ça vous évitera de devoir aller sur l'agenda de TGCM sur le site. Et on vous tiendra au courant de si ça se fait, si ça se fait pas, de l'évolution des choses. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Ensuite, donc voilà, ça c'est pour les salons qui sont prévus, et puis on attend les prochains, mais je pense que ce sera à peu près tout pour la fin d'année. Ça va être difficile d'en organiser d'autres, pas pour nous, parce que nous on attend que ça et on se déplacera dès que possible, mais pour les orgas, ça va être un peu juste. Donc voilà pour les salons. Lionel nous demande pourquoi, comment on a décidé l'ordre de sortie entre Godeil et Tactoy. Et bien c'est tout bête. On n'aime pas Tactoy. Non, je... Non, mais. C'est tout simple en fait. Le principe, il est toujours le même à Briscard comme à Carnage maintenant.
On commence par sortir des références qui fonctionnent bien ensemble, qui créent quelques synergies, mais pas trop. On essaye d'équilibrer le rythme de sortie entre toutes les factions pour qu'il n'y ait pas un trop gros déséquilibre, même si c'est le cas de temps en temps. Quand tu sors le premier perso d'une faction et qu'il n'y en a pas encore dans les autres, forcément, ça crée un petit décalage. Quand tu as la possibilité de jouer en Diffic chez les Fang et puis bah, chez les Kerops, tu as juste du guerrier et puis Tarsak, ça crée un petit décalage, mais on essaye de compenser ça par étapes. Et au vu des tests qu'on a faits, en fait, si on avait sorti Tactoy tout de suite, ça aurait filé un énorme boost. Parce que nous, on connaît le profil hein, de Tactoy. On connaît son arme dédiée. Et si on ramène ça chez les Kerops tout de suite, bah, vous allez perdre beaucoup d'adversaires, les Kerops, parce que plus personne ne voudra jouer contre vous et votre Tactoy. Donc bah, il faut EP un petit peu. On va sortir très bientôt bah, des tireurs dans d'autres factions. Et puis Tactoy, bah, désolé Lionel, ce sera le dernier des tireurs dans les factions. Parce Ouais. que ce n'est pas une faction de toute façon qui est dédiée au tir. Donc amener et compenser cette faiblesse-là, ça les surbooste vraiment, quoi. Et tu t'en rendras compte quand le profil sortira. Ouais, c'est il est violent. Non, je sais pas si On tu as peut le autre chose à dire. rajouter, mais je pense que voilà pourquoi sortir Ogoday. Un petit point d'ailleurs en passant, j'ai toujours pas fini, j'ai toujours pas pu avancer, mais je devrais pouvoir commencer à m'y mettre dès la semaine prochaine. Réavancer un petit peu sur l'écriture du tome 2 de l'embrasement, enfin la suite de l'embrasement justement, Lost les Affranchis. Et en fait, Tarsac est mort. je vous parle de Non, c'est... ça. Je vous parle de ça parce que ça explique pourquoi on a sorti un Ogoday couleur ocre, couleur safran, et pas rouge, comme était le schéma classique de l'armée Kerops pour l'instant. C'est qu'en fait, bah, petit spoil, les trois frangins et Nagoy ont chacun leur couleur, et ça les aide à reconnaître leur troupes sur le champ de bataille. Ben voilà, vous savez que Ogoday il est couleur ocre et c'est pour ça qu'il arrive en jaune, en livrée jaune dans la news. Et donc Tactoy forcément sera ni rouge ni jaune, vous vous en doutez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Ludo qui nous dit très bonne idée pour l'organiser tournoi. Bah écoute, en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. Quand les gens nous contactent pour organiser des tournois depuis pas mal de temps sur Briscard, et puis bah, malheureusement ça n'a pas pu être le cas sur Carnage. Parce qu'on s'est fait un petit peu confiner pas longtemps après, mais quand les gens nous contactent et nous sollicitent pour doter les tournois, on s'est rarement dédié. Hein. On a toujours envoyé des petites dotations. Alors jusqu'à maintenant, effectivement, le dodo, le Golden Dodo, on l'a envoyé à partir de 8 joueurs en tournoi. C'est pas une idée con du tout de faire un dodo pour la peinture et un dodo pour la plus belle table, etc. Moi, ce qui me chagrine dans ça, c'est d'envoyer le même dodo, parce que ce serait un peu couillon qu'il ne soit pas un petit peu singularisé, pour que justement, on n'ait pas, quand on gagne le tournoi, qu'on a le prix de peinture et le prix de la plus belle table en même temps, on se retrouve avec trois fois le même dodo. Donc, je note ça dans un coin de ma tête, et puis si un de ces quatre, j'ai le temps de faire d'autres petits dodos spéciaux peinture, spéciaux table. Pourquoi pas, je me ferai un plaisir, enfin on se fera un plaisir d'ajouter ça en dotation. Mais quoi qu'il en soit, on essaye toujours de glisser quelques goodies, quelque chose un peu exclu, et puis des fois bah, un ou deux blisters pour doter les tournois, pour remercier les bonnes volontés d'organiser tout ça, comme Nathanaël. D'ailleurs, j'attends, Nathanaël, si tu nous écoutes, j'attends ton mail avec les adresses et le nombre de participants. Et pour les dodos, ouais, j'essaye de négocier pour le dodo dans le coffre qu'on peut voir sur la couverture du bouquin. Enfin, celui-là, je le négocie depuis que j'ai vu le concept. Hein, donc, ce sera peut-être le prochain, un jour. Ben, je vous cache pas qu'il y a eu pas mal de boulot en sculpture là. Ben, il y a eu 8 manchots déjà que je me suis gaufré. Puis on vous prépare un nouveau starter, on vous en parlera peut-être un petit peu plus tard. On vous prépare un nouveau starter et donc ben, j'ai sculpté aussi dans la foulée 4 nouvelles figues. Et donc pas eu beaucoup de temps pour faire d'autres choses, des projets un peu plus exotiques comme un dodo dans un coffre ou des prix de peinture. Ouais, ça va intéresser. J'avais vu que Guy s'était connecté rapidement. Je ne sais pas s'il l'est encore. Les quatre figurines suivantes Ah, qui sont là. salut à tous ceux qui nous ont rejoints d'ici là, Carnéric, hein, Lenwelin, Guy Et compagnie.
Et qu'on sort Gilles Galad, etc. Et la pièce. Tes quatre futurs Tuléens, Guy, ils sont juste là. Assaline, t'as dit que c'était les Tuléens. Voilà. Bah si, c'est ça que le starter est en sculpture. il est fini de sculpter, il est même fini de peindre. Et il est devant moi. Enfin, les filles, pas le starter. Il est trop loin pour le bras. Alors, Mickaël qui nous demandait, on devait faire un petit tour en Suisse en 2020. Oui, effectivement. Ouais, on juste peut faire plein de trucs en 2020, en fait. C'est juste à ce moment-là où ils ont dit « Ah, il y a Covid ». Et pour l'instant, on n'a pas recasé de date avec ces personnes-là. Je ne sais pas si... Non, bah, il n'y a pas eu de report ou d'autres dates prévues. On n'est pas au courant de la suite et de l'avenir de cet événement-là. Si toi t'en sais plus, n'hésite pas à nous prévenir. Et on est toujours open, bien sûr. Alors forcément, si ça repart et si ça repart du bon pied, on va prioriser forcément les plus gros événements pour essayer d'avoir le plus de visibilité possible. Autant pour nous que pour vous, hein, parce que quand on va voir un événement où on croise 5000 personnes ou plus dans le week-end, bah forcément on crée plus de joueurs, on crée plus d'émulation, et donc directement ça se ressent pour la communauté et pour le dynamisme de nos jeux. Et puis bah, si après il y a des... Et je pense qu'il y en aura de toute façon, parce qu'il ne va pas y avoir tous les week-ends de prix dès l'année prochaine, parce que... Bah, il faut le temps que ça se remette en place. Il y a des structures qui n'existeront plus, malheureusement. Il y a beaucoup de boutiques qui ont vraiment morflé. Il y a beaucoup d'assos aussi, à mon avis, qui ont morflé. Il y a des gens que j'avais en contact que j'ai plus, donc qui ont dû souffrir un petit peu de toute cette gestion Covid. Évidemment, il y aura des week-ends de libre. Et notre bout de... Je vais réussir à le dire. Notre boulot à nous et notre but premier, ça va être de refaire vivre... et Briscard et Carnage, de remonter une communauté au moins aussi présente et aussi motivée qu'en 2019. Donc notre boulot, ça va vraiment être d'aller au devant des gens les week-ends pour remotiver tout ça et remotiver tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, si vous organisez des trucs, n'hésitez pas à nous contacter, à nous prévenir. Bien sûr, ça va être compliqué, hein, de traverser toute la France pour aller être présent sur un salon ou sur un tournoi à 4 ou 6 joueurs. Vous doutez bien, mais s'il y a un réel intérêt parce qu'il y a un engouement, alors on se déplacera et on fera en tout cas tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Et même si on ne peut pas se déplacer, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre dans les annonces et relayer l'information sur les médias officiels, en fait. Je veux les voir, les Tuléens sadiques. Ils sont trop loin, Manu m'en empêche. Regarde, je viens de t'en montrer un. Ah, c'était le plus réussi en plus. Non, c'est le plus petit celui-là, c'est le plus petit. À mon avis, ce qu'il attend, toi, c'est au canec, là, en train d'écraser le poisson dans sa main. Ouais. Alors, il aura une règle spéciale. Ah bah non. Ouais. Pas contre, j'avais lu, enfin, Gwen, il dit que vous étiez sceptique sur le concept. J'ai pas lu ça, mais tu m'as dit. Guy, en tout cas, je sais pas. Dis-nous en plus. Il y en a très peu qui l'ont vu pour l'instant, mais je peux te dire que ceux qui ont vu la figurine sont assez... Ah non, mais tu vois, les concepts est génial. Ah oui, il est tout excité. C'est plus clair. Ceux qui ont vu la figurine jusqu'à maintenant la trouvent assez chouette. T'inquiète pour la sculpture, hein. Tu as tort. Non, franchement. Et puis si Gwen valide une de mes sculptures tuléennes, c'est que normalement elle est pas mal. Non, le concept me chagrinait un peu de Canek. Je le trouvais un peu trop agressif et un peu trop violent dans sa posture et un peu trop dur. Et Manu s'en est un petit peu écarté en modifiant juste un peu l'orientation de la tête. Et ça passe plutôt bien. Et... J'ai essayé d'être assez fidèle au concept, mais effectivement, j'ai un peu plus briscarisé en le rendant un peu plus chibi. Et puis. J'ai un peu plus incliné la tête pour qu'il ait l'air de s'occuper du poisson plus qu'autre chose. Alors pour répondre à ta question, Michael, l'homogénéité, ben c'est un peu comme chez nous les humains, en fait. Tu vas avoir des gens grands, des gens petits, des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Et donc du coup, en fait, jusqu'à maintenant, les Tuléens et, enfin, chez les Tuléens et chez les Quintor, t'avais énormément de clones. C'est-à-dire que tu pouvais changer la figurine. Si tu ne voyais pas l'équipement, ben, tu ne voyais pas trop la différence.
Et C'était pas des Tuniens, c'était des Caminois. c'était Camino, hein, ils étaient tous clonés. Et effectivement, on commence à voir un peu des sculptures un peu différentes pour retrouver un peu cette notion de différence interespèce. Pour l'instant, ça choque entre guillemets parce qu'on passe de 42 clones à un mec différent, mais ça devrait évoluer et on va regagner en homogénéité quand il y aura un peu plus de figurines diverses. Petit tunien du début, bah, ça reste des petites figurines, hein. Alors, en fait, pour donner une idée, tu vois, effectivement, il y a un petit générique dans le starter. Dans le starter V2, il y aura un petit générique. Si tu le mets côte à côte avec les chasseurs, les trappeurs et tout ce qui existe jusqu'à maintenant en tant que générique Thuléen, il dénote pas du tout, il fait la même taille, il est vraiment dans l'esprit. Et c'est sûr que Kanek, par contre, il a bouffé les stéroïdes et il a pris du poids. Il se rapproche un peu plus du gabarit d'Amarouk, de Amarouk V2 ou de Sanasok. Et du coup, je pense qu'au fil des sorties, justement, on va avoir une homogénéisation des différences. C'est un peu bizarre de dire ça, c'est un peu paradoxal, mais une oxymore en français. En fait, c'est justement la pluralité des sculptures, pas des sculptures en fait, plutôt des physiques différents qui va faire que ça va très bien s'inscrire dans la faction. Mais là, ouais, je confirme, Kanek, oui. Il a attrapé Yonchi et puis il l'a poussé pendant l'été. Du coup, il a pris un peu en masse. C'est ça. Mais je pense que ça rejoint bien l'idée là. On sera un petit peu à la Games où le chef de faction sera plus gaulé que ses troupes. On est dans l'esprit orc en fait où le Nobs va vraiment changer les boys. Moi personnellement ça me choque pas du tout. Enfin je trouve que ça s'inclut très bien. Mais Okanek est un peu plus gros que les autres, mais les trois autres qui sont dedans sont de la taille et du gabarit des autres figurines déjà existantes. Donc ça va pas vous choquer. Pareil en termes de look, etc. On retrouve les manteaux de fourrure, on retrouve leur petite tête de morse avec leurs dents. Enfin, on retrouve tout. Tu dis qu'il y a un avant et un après sculpteur. Moi, je suis pas complètement certain. Je pense que ça avait Avec Sanasok. déjà changé à l'époque de Sanasok. Ouais, c'était le premier justement à sortir du moule. Et pourtant là, c'était Toupilek aussi changeait beaucoup et Okanek aussi changeait vraiment du physique des Tuiliens qui étaient proposés. En fait, c'est surtout les génériques. Chasseurs, trappeurs, pisteurs, pêcheurs, même le champion harponneur étaient vraiment tous dans le même esprit. Amarouk, le tout premier, il était très différent. C'était Nicolas Nguyen qui l'avait sculpté. Il était vraiment très différent au niveau look. Okanek et Je crois qu'on l'a rappelé Kubilaïd. Non. Ah non, Amaru, non. Amarouk. Voilà, ça y est. Il a bu du pomme. Oh, si on peut plus déconner. Voilà, il y avait dès le départ avec Amarouk, on avait eu une vraie rupture au niveau des esthétiques, mais c'est vrai que tous les génériques se ressemblaient. Et Toupilek, Okanek, Amarouk étaient vraiment très différents. Ça s'est amplifié avec Sanasok. Sanasok, il était beaucoup plus grand que les autres. Il était beaucoup plus balèze et son profil ne le justifiait pas. C'était un gars à 78 pièces d'or, c'est toujours d'ailleurs, à 78 pièces d'or, donc qui forcément était pas forcément beaucoup plus balèze que ses comparses. Mais en fait, je pense qu'il y avait un sentiment d'homogénéité chez les Thuléens, parce qu'il y avait beaucoup de génériques, mais je pense qu'il y avait quand même pratiquement la moitié des pièces qui étaient très différentes de ces génériques, quoi. Au final, ouais, si tu regardes tous les chefs de clan, ils ont chacun leur propre identité. Arvik, Nalayak, C'est Toupilek. ça, ouais. Et donc effectivement, au contraire, je pense que cette différence-là est... Ils trouvent le contraste moins choquant, même s'ils étaient différents avant. Ah oui? Mais je te dis, Bah, on voit le chasseur. je sais pas si on va bien le voir. Allez, on vous fait du spoil, hein. On vous fait du spoil puisque vous avez envie de parler Tuléen. Tiens, je ne sais pas comment on va le voir. Bah, exactement, comme ça, on peut pas faire beaucoup mieux. Petit chasseur en avant-première, et il récupère quand même le look d'avant. En termes de taille, on est sur le gabarit d'un trappeur.
J'en ai pas sous la main. Ils font exactement la même taille à hauteur de crâne. Mais donc, voilà. Et au niveau de la tête, on retrouve tout ce qui fait d'un Tuléen. On est vraiment sur l'ancien look. Superbe. Et Walou qui sort la langue. On ne sait pas ce qu'il y a. Et Guy ne regardait pas. Du coup, il a raté. Alors, ouais, c'est celui qui va se rapprocher le plus de ceux que vous connaissez, pas en termes de look, parce qu'ils sont vraiment tous dans le même esprit. Je pense que le starter est très homogène pour ça. Par contre, les autres, c'est vraiment des concepts et des profils complètement nouveaux. Ouais. Vous allez découvrir du morse sans dents. C'est un concept, et on l'a fait. Si, il a des petites dents. Il n'a que notes, il a des codes. Moi, je pensais à la vieille. Ah, il a dit qu'il y avait une vieille. Oh non. Il a dit qu'il y avait une vieille. Un phoque, en gros. Bah ouais, ouais effectivement. Bah, c'est comme une hyène, toi, c'est le même principe. Une hyène, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. On est beaucoup moins éloigné des Quintor V1 avec les Quintor V2 que des Tuléen V1 avec le Starter V2. Après, pour les Quintor, c'était volontaire. Il y en a en termes de fluff, ils sont un peu. Enfin, c'est une société perverse, hein, donc qui tourne beaucoup sur les jeux pas très sains. Donc du coup, effectivement, le nouveau starter a un peu dévié. Et encore, on s'est calmé parce qu'au début, c'était avec des épées fouets et autres joyeusetés, un peu latex, cuir. Donc, d'un point de vue du profil, effectivement, on s'est calmé, mais il fallait qu'on s'éloigne un peu du conformisme pseudo-conquistador qu'on avait intégré au départ. Mais surtout, moi, ce qui me chagrinait, en fait, c'était l'idée que tous les Quintors se ressemblent. C'est tellement dommage, en fait, de ne pas profiter de la variété de l'espèce originelle, c'est-à-dire des cochons, que... C'était l'occasion, la V2, c'était l'occasion de commencer à en profiter. On avait un semblant de cochon asiatique avec Cochinero. C'était le premier à amener un peu de diversité au niveau look, mais ce n'était pas poussé assez loin. Igoré et Frankenchon ont permis d'amener ça un petit peu aussi, et ça n'a jamais choqué personne. Mais quand tu prends effectivement Igoré, Frankenchon et Cochinero, ils ne ressemblent absolument pas au reste de la faction. Il se trouve qu'en fait, à mon avis, le pavé dans la mare, c'était le fait d'avoir un starter V2 complet qui était très différent, parce que qui était perçu comme beaucoup trop différent, parce que c'était des resculptures de figues que vous connaissiez. Quand on amène un Igoré, un Frankenchon, un Cochinero, c'est des nouvelles figues, ça choque personne. Quand on amène des V2, ils ont changé de look, ça surprend tout le monde. Mais vous verrez qu'au fil du temps, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça va permettre d'amener de la diversité tout en conservant l'esprit très, très conformiste des Quintor. Tu le sens là, comment il vient de t'annoncer avec le nouveau look, Lionel, le Gustave danseuse, à tutu, voilà. Avec son petit tutu rose là, avec ses petites pointes, il va se balader. Gigalad, il dit qu'il peint les figurines, c'est les seuls qui peignent dans tous les jeux de Wargame qu'il fait. C'est très bien. C'est comme Vincent te dit, bravo. Parce que même des vétérans chez nous qui ont commencé depuis très longtemps, Arnaud, si tu nous écoutes, n'ont toujours pas réussi à peindre une bande complète. Spéciale dédicace aux fainéants qui nous suivent depuis 6-7 ans et qui n'ont pas 500 points de pain. Alors le content Gilles Galad que tu te régales à peindre l'aberration totémique. J'ai pris vachement de plaisir à la sculpter. Je sais pas, j'ai pas trop suivi la discussion, mais j'ai entendu dire que la sculpture faisait pas l'unanimité. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la sculpter parce que c'est quelque chose qui c'était un vrai exercice. J'avais jamais sculpté une figurine de presque 30 cm et du coup c'est gros, c'est balèze, il y a de la surface, il faut texturer tout. Ça m'a pris quand même 10 jours non-stop. On n'est pas loin de la centaine d'heures de sculpture. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence de faire ça, surtout quand c'est la première fois. Et
Non, pas lui tout de suite. Pas Non, lui tout de bah suite. non, je t'inquiète. Et voilà, je suis content que ça plaise à certains. Moi, je me suis vraiment éclaté à la faire. Et en peinture, c'est pareil. C'est un vrai petit challenge. C'est un vrai petit défi. Voilà, tiens, voilà l'aberration totémique qui pointe le bout de son nez. On déconne. C'est le premier live, on déconne. Après, ça sera beaucoup plus sérieux. Ou pas. Mais voilà, ça reste quand même un gros bestiau, hein. Vous voyez le petit chasseur tout à l'heure qu'on vous montrait. Voilà, c'est pas la même chose à sculpter. Hein. Voilà. Et... Je vais pas dire que j'ai pris 10 fois moins de temps à sculpter le chasseur, mais 5 ou 6 fois moins, ça c'est sûr, quoi. Et du coup, ouais, il y a un vrai challenge. Alors le côté moins cartoon, je suis pas entièrement d'accord avec toi, Gilles Galad, sur les V2. C'est un cartoon un peu plus adulte, un peu plus dur. On s'éloigne du cartoonesque enfant, effectivement, pour se retrouver avec des traits un peu plus durs. Mais je trouve qu'il reste très cartoon avec des gros torses, des petites jambes, enfin, Ouais, c'est ça. En fait, les... si on prend par exemple, je sais pas si vous connaissez Gottlieb, mais si on prend Gottlieb, on est passé de son célèbre chien à Ralovli, quoi. Et on est passé à l'étape d'après, mais en gardant le même esprit et en le rendant peut-être un tout petit peu plus mature. On n'est plus sur du Gaston Lagaffe ou du Boulet Bill. On est plus sur du Astérix caricatural en fait. Et donc forcément le trait est un peu plus dur. Ça vient aussi de nos concepteurs, hein. Faut pas se leurrer. Moi je quand on commandite des concepts à des gars dont on apprécie le boulot, c'est pas pour qu'on remette systématiquement complètement en question quand il s'agit de les sculpter. Donc moi je me fie au concept et quand les gars que ce soit Carnéric qui nous écoute, salut à toi. Ou Raphaël Banguet, Alexis Panière, Nicolas Nguyen, Stéphane Nguyen, etc. Tous les gens qui ont bossé un petit peu pour nous, on leur demande de coller le plus possible au concept pour une raison toute bête, c'est les concepts qui donnent l'âme visuelle de Briscard et de Carnage. Et donc, si on s'en éloigne, en fait, c'est comme si on disait, voilà, on crée un univers, mais il nous plaît pas complètement, donc on le sculpte différemment. C'est un petit peu couillon parce que à partir du moment où on a validé un concept, de temps en temps on les fait retravailler, on les fait modifier un peu, mais quand on valide le concept, c'est que ça nous plaît, ça correspond à la vision qu'on en a. Donc il n'y a pas de raison que la sculpture s'en éloigne trop. Et je pense que pour le coup, là, Carnéric a fait un super bon boulot sur le Starter Quinter V2, quoi. C'est très proche des concepts qui ont été proposés, quoi. Tommy, pour ceux qui ne connaîtraient pas son prénom. Voilà. Vous pouvez le saluer d'ailleurs, il vient de faire Yop, c'est lui l'auteur des V2. Y a Marc qui dit qu'il a 500 PO de pain. Je me demande par qui. Peut-être Qui pas. les a... Lionel, il fait frotte frotte, ça veut dire qu'il est trop content ou ça veut dire qu'il a assez. Ne sais pas si. Lionel, si tu prends un sopalin, on ne peut pas voir ta caméra. Voilà, on a coupé la vidéo. Hein, De toute façon, tu ne pourras pas la mettre sur ce salon-là, effectivement. Alors, les V2 sont carrément cartoon, mais cartoon plus adulte. Entièrement d'accord, Vincent. Alors, les photos, effectivement, c'est un vaste débat sur les photos. Les photos. Les photos. Alors, Alors, on les prend dans un box photo avec un appareil photo, avec voilà, on un sait. objectif de 50. Donc, en Voilà. termes de précision, on ne peut pas faire les couilles. L'appareil photo, il date un peu, mais on est quand même sur du réflexe. C'est un Canon EOS 550, pour ceux qui connaissent. Donc, il a un petit peu de bouteille. Il a fait quelques milliers, voire dizaines de milliers de photos depuis. Mais il fait du très bon boulot, il est à plus de 18 millions de pixels en résolution. On bosse avec, comme dit Gwen, un objectif à 50 qui a une ouverture à 1,2 pour les connaisseurs. Donc il n'y a pas plus de lumière qui peut rentrer quasiment. On s'est doté d'une petite box avec un petit panel de LED pour essayer d'avoir une lumière uniforme. On fait le maximum pour avoir des jolies photos. C'est sûr que le fond qu'on choisit. Peut-être blanc-bleu pour Briscard, un petit peu mordoré pour Carnage, plaît pas forcément à tout le monde, mais on n'a pas choisi arbitrairement ces fonds-là. En fait, on a fait beaucoup beaucoup de tests. On l'a essayé sur fond noir, on a essayé sur fond blanc, on a essayé avec d'autres couleurs, on a essayé des couleurs par faction.
Au final, c'est très difficile. Et si quelqu'un a la recette, moi je suis tout preneur, hein, parce que je suis pas un expert en photo. J'aime prendre des Quand même. photos, j'aime essayer de rendre des choses jolies et de vous montrer des choses les plus jolies possibles, mais je suis pas expert, donc je prends tous les bons conseils que vous pouvez me donner. Mais voilà, c'est pas une évidence. Et j'espère que. Oui, merci Vincent. C'était une très bonne chose de passer aux petits 360, aux petites vidéos. Et ça prend un temps. Voilà, Il très chronophage comme d'habitude. y a 15 secondes par figurine, mais il faut mettre la figurine en place, réussir la vidéo du premier coup, retirer la figurine, mettre la suivante. Mais avant ça, il faut les sortir de la vitrine où elles sont pas à fixer, les épousseter pour retirer la poussière. Ouais, ça Donc, paraît rien, hein, mais c'est hyper chronophage. Et puis après, il faut recompresser la vidéo, il faut la ouais. modifier un petit peu. Faut recadrer un petit peu la vidéo, l'éclairage, tout ça. Enfin, ça. Pour une vidéo de 15 secondes, en fait, tu passes à peu près 5 minutes par figurine. Et ça m'a pris, parce que je m'en suis occupé, ça m'a pris un temps fou. Parce qu'en plus, c'est con, mais on a quand même pas mal de figurines. Ça commence à ça commence à Et donc là, normalement, on a toute la gamme actuelle, hors Starter Tulane V2, puisque je viens seulement de les récupérer en vidéo. Elles seront rajoutées comme on nous l'a conseillé sur YouTube, etc. Ça sera le prochain travail qu'on va faire. Dès qu'on aura 5 minutes, parce que là, enfin, comme Manu Ben là, dit, c'est pareil, c'est réupload, c'est recompression. ça. Nous, on était un petit peu pris avec Elodie sur la création d'une petite surprise pour la rentrée, si tout va bien, qui n'a rien à voir avec les jeux de figurines, mais un petit essai qui sera quand même dans l'univers de Briscard. Mais voilà, vous découvrirez tout ça à la rentrée. Il fallait qu'on finisse très vite pour pouvoir envoyer à l'impression. Donc c'est en train de se boucler. Moi, je vais pouvoir me mettre sur le roman parce que c'est Carnéric qui s'occupe de la prochaine sculpture. Et puis bah, on a le Starter Tulane prêt pour le mois suivant. Donc je vais pouvoir pendant un mois et demi, me mettre sur la réécriture du roman du tome 2. Je soulignerai pas, parce que Guy avait demandé quand est-ce que sortait le starter, tu viens d'avoir ta réponse. Il vient Ouais, de la donner. quasiment. Quasiment. Et Non pas une BD, non pas un JDR pour la surprise. non, 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 ni l'un ni l'autre. Mais une BD, ça reste, et un JDR, vous inquiétez pas, ça reste des idées qu'on a. Dans les tiroirs. Et c'est dans les tiroirs, ça se monte petit à petit. En fait, il faut pas qu'on fasse les choses trop rapidement ou sous le coup de l'impulsion, parce qu'en fait, on veut faire les choses bien. Et bon, vous en avez peut-être rendu compte à force. Le mois suivant. J'espère qu'on y arrive. Mais voilà, une BD, il faut trouver le bon auteur, il faut trouver le bon dessinateur. On manque pas d'histoire, que ce soit sur Briscard ou sur Carnage. Mais il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance et une vraie communication possible avec celui qui va mettre tout ça en dessin, avec celui qui va ancrer, etc. Donc une BD, c'est un vrai travail. Et malheureusement, la rupture des salons a fait que les candidats potentiels, On les a perdus du jeu. on les croise plus en ce moment. Et donc on va essayer de remettre tout ça en place l'année prochaine. Un jeu de rôle, ben, en fait, vous le savez tous si vous avez fait du JDR, enfin tous ceux qui en ont fait le savent, ça demande énormément, énormément de contenu. Et donc ben, pour l'instant, ce qu'on fait, sans doute pas sur Briscard, hein, je vous rassure tout de suite. Je pense que le bouquin de campagne fait très bien le taf, fait un très bon pont entre le jeu d'escarmouche et le jeu de rôle. Donc pour l'instant, Briscard, il n'a pas vocation à être rôlisé tout de suite, si le terme peut se dire. Par contre, sur Carnage, c'est quelque chose qui est très envisageable, mais Carnage, pour moi, même s'il y a un roman derrière, il manque encore de contenu. Il manque encore de vrais fonds dans le sens où bah, il faut décrire complètement King Karn, il faut savoir comment il faut classifier chaque objet, chaque équipement, il faut rédiger énormément de classes, de styles, de personnages, créer du contenu au niveau des accessoires, des habillements, des accoutrements, etc. Parce qu'on ne prend pas un jeu de rôle sans avoir du contenu, puisque c'est le contenu du bouquin qui va déterminer tout ce que les joueurs vont faire ensuite. Donc ça ne sert à rien de sortir un truc en dentelle un peu trop creux. Et donc bah, pour l'instant, on accumule du contenu au fil des écritures, au fil des sorties, au fil des publications, au fil des concepts
que Jérémy nous fait, et puis au fil des modélisations que Jérémy et Nicolas nous font. Donc, on accumule du contenu et tout ça, un jour, ça, j'en suis presque certain, ça sortira, ça aboutira à un jeu de rôle, mais quand, je ne sais pas du tout. Et potentiellement aussi un long métrage d'animation quand on aura réussi à Voilà. intégrer Paul 3D, parce que Jérémy bosse à... Mais oui, effectivement, j'aimerais beaucoup. Mon grand rêve, ce serait un jour d'avoir un film à la Warcraft dans l'univers de Carnage, quoi. Ça, C'est ça. ce serait un grand, grand aboutissement. Mais bon, je me prends pas pour George Lucas et pour l'instant, on reste petit. On essaye de remotiver la communauté. On va commencer par ça. Trop dit ou pas assez, Manu? Qu'est-ce que j'ai trop dit ou pas assez? J'ai rien dit ou pas assez. Je pense que c'est pour la surprise. La surprise? Mais non, mais sinon, c'est plus une surprise. En fait, l'idée de la surprise. C'est que t'en dis trop parce que tu dis qu'il y a une surprise, mais tu es obligé de pas en dire assez, sinon c'est plus une surprise. Donc je pense qu'on a pile poil bien cadré, c'est une surprise. Bah, ce qui est con, c'est que Vincent a trouvé avec le crocodile en tutu un poster. Regarde Ouais. trop. Mince. La surprise était vantée. Non, mais ce sera très sympa, on a pas mal bêta testé et on s'est bien marré. Pas besoin d'aller aussi loin que Hollywood pour faire des films d'animation. En France, on a des très bons studios d'animation, parmi les meilleurs au monde. Donc, Bah, il faut pas oublier que Pixar, ça vient de chez nous à la base, hein. Il y a plein de très bons modeleurs et très bons animateurs 3D en France, hein. Il y a trois pôles qui sont quatre pôles qui sont essentiellement plébiscités en général, c'est les États-Unis, le Canada, le Japon et la France. Et donc bah, je vois pas pourquoi on irait au Canada, aux États-Unis ou au Japon alors qu'on a la France. Bah, le problème, ouais. Japonais, je ne maîtrise pas. L'anglais, puis les Canadiens, c'est pareil, c'est du français, mais c'est pas du français. C'est compliqué de les comprendre. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous allez sortir d'autres artilleries à Briscard ou les rebooster un peu car je trouve qu'elles sont peu sorties. Alors en fait. Alors, comment les booster? Elles font déjà super, super mal, les artilleries. C'est quand même la violence incarnée. À 400 PO, c'était très difficile effectivement d'en sortir parce que ça prend de la place en termes de points et c'est compliqué effectivement de les rentabiliser. 500 PO, c'est déjà beaucoup plus facile de les sortir, ça handicape moins, ça permet de contrer quand même pas mal de choses. Je pense qu'à Briscard, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas parce qu'il y a une méta tournoi qui s'était installée assez rapidement et il y a beaucoup de gens qui ont. Alors après, c'est normal, hein, c'est comme ça que les jeux évoluent et que les jeux se forment, le jeu organisé se forme. Mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi des tendances suite à des résultats de tournoi, suite à des discussions à propos de tournoi, à propos de rencontres de joueurs qui se voyaient souvent, etc. De fait, il y a eu peut-être une espèce d'opprobre sur l'artillerie qui disait ouais, de toute façon, c'est pas efficace en tournoi parce que la taverne, tu peux pas le faire. Il faut quand même pas oublier que bon, s'il y a la caverne où ça peut nous dégringoler sur la tronche quand on tire à coup d'artillerie, et s'il y a la taverne qui fait qu'on peut pas rentrer, on est bien obligé de laisser le canon à l'entrée du rade, ça reste deux scénarios sur les 52 qui sont disponibles dans Briscard. Donc au final, on se retrouve avec bah, 4% de scénarios qui ne sont pas en faveur de l'artillerie. Je ne sais pas pourquoi 4%, ça a suffi à démotiver tout le monde à les sortir sur la table. Ça reste toujours aussi violent, ça reste toujours aussi dangereux. Si vous avez l'occasion de jouer contre l'aberration totémique ou l'aberration symbiotique, l'artillerie, c'est prépondérant, c'est ce qui va déterminer si vous gagnez une partie ou pas la plupart du temps, parce que les aberrations, elles morflent contre l'artillerie. Donc n'hésitez pas à les ressortir, revalorisez ces profils-là dans vos parties, et vous allez voir que ce n'est pas du tout inquiétant de les sortir, il n'y a pas forcément besoin de les booster pour qu'elles soient rentables. Maintenant, vous prenez du El Diablo qui fait du 1 des 10 plus 8 dégâts, potentiellement 18 points de dégâts, c'est énorme Et quoi. puis 9, à coup sûr. C'est 9 à minima, 18 9 à coup sûr. maximum. D'ailleurs, je pense que c'est pas les gens ont pas ce souci-là avec Rotuma et Baby Rotuma. Non, bah justement, Nathalie qui posait la question, si je me souviens bien, t'es Suisse, et vous aviez fait un tournoi où vous aviez sorti beaucoup de Rotuma, et du coup, enfin, oui, un joueur avait sorti de la Rotuma, vous aviez trouvé ça très fort, et à l'Octogone, vous étiez tous arrivés avec une Rotuma en contrat. C'était assez rigolo, parce qu'effectivement, elle est très forte, mais les joueurs du Nord, par exemple, avaient l'habitude de l'affronter, et donc, du coup, savent comment la gérer.
Du coup, ça leur a posé moins de problèmes. Vous avez trouvé du coup que c'était un peu faiblichon, mais c'est juste parce que selon les différentes régions, il y a différentes méta. Dans l'Est, pour Ludo et Robin, c'est le nombre qui prime. C'est leur. D'ailleurs, tu as raison de le préciser, Ludo, c'est un très bon contrôle de PA, l'artillerie, quoi. C'est même presque qu'à ça que ça sert. C'est le meilleur. Ouais, pas forcément, mais. En fait, c'est un contrôle de PA et ça force aussi l'adversaire à jouer une figurine bien précise pour s'en sortir. Parce que si vous arrivez à mettre plusieurs figurines sous le gabarit, vous allez lui forcer à faire des choix et ça va vous avantager vous et ça va le mettre en difficulté. À mon avis, en premier lieu, c'est une arme psychologique. Et Ouais. s'il y a malheureusement pour l'adversaire une figurine qui est sèche en PA ou pas en face, c'est dévastateur, quoi. C'est dévastateur. Donc, Bonne question de Guy. Est-ce que le canon tiléen qui vient avec son artilleur, puisqu'on ne peut pas le recruter sans l'artilleur, chez les tiléens, du pingouin chez les morses? est-ce qu'il y aurait des pingouins sur la banquise? Est-ce qu'il y aurait des pingouins sur la banquise? Des manchots, des manchots. Pensons à Charcot et essayons d'honorer sa mémoire. Ne parlons que de manchots. Ou alors on se met à parler en VO et on ne parle que de Alors, Pingu. on va te l'accorder, Guy, mais à chaque tour, sur un 6 moins, il se fait bouffer. Voilà. Non, Non, en oui. tant que mercenaire, rien ne t'en empêche de les recruter chez les Tuliens, effectivement. Mais c'est juste que eux ne manient pas d'armes à feu. Hein. Ils n'ont rien contre le fait qu'une recrue les utilise pour eux. Hein. Après, ça commence à faire cher la recrue. Hein, parce que c'est 60 Papa Pingu qui le manie et Plus 40, 45. ouais, 40, donc ça 100 balles. Voilà. Non, c'est 45 le bill, 40. ce qui. Ouais, sûr. Attention! C'est moi qui ai validé. C'est toi qui as validé, c'est toi qui as validé. Si, ils ont tous des chiffres ronds. Ils ont tous des chiffres. Punaise, il a retiré 5 points. J'avais mis un kid à 45, il a retiré 5 PO. Vous vous rendez compte de la ristourne? Ça posait trop de soucis, mais ça permettait en même temps de mettre un 80-40, un empereur speed à la place de 2,60, et du coup, ça permettait plus de modularité, pardon. Mais ouais, de toute façon, en tant que mercenaire, à partir du moment où vous prenez le pingouin qui manie l'artillerie et l'artillerie, c'est recrutable partout. Et Lionel a raison de parler de Schlegel, parce que Schlegel, c'est l'une des artilleries un peu hybride, mais artillerie quand même. Qui va être capable optimiser, qui va être capable de tirer jusqu'à 3 fois en fait avec son copain. Et l'arme peut être utilisée jusqu'à 5 fois par tour. Ah. À partir de ce moment-là, effectivement, le premier tir va servir à contrôler les PA, mais les autres, Les quatre les autres, suivants, normalement, ça fait mal. ça c'est là pour casser des bouches, hein, et ça remplit très bien le boulot. Donc je pense que ouais, l'artillerie est sous-estimée ou mal aimée à tort parce que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment réfléchir à l'adversaire. Maintenant, il y a une parade, et donc n'oubliez pas non plus, si le servant a passé l'arme à gauche, votre adversaire peut se saisir de l'artillerie. Donc il faut pas oublier que c'est toujours bien d'avoir un de ces briscards pas loin de l'artillerie. Bah de toute façon, il faut la protéger. Hein. Mais c'est dévastateur, hein, c'est dévastateur. Dans tous les tests qu'on a fait, c'est ce qui tuait la partie quand on en avait une en face et pas de son côté, quoi. À l'heure actuelle, les deux seuls vrais profils d'artillerie qui sont un petit peu en dessous, c'est le canon impérial Mahawk et le canon Mahawk, qui sont effectivement un peu chers pour ce qu'ils font. Et. Si c'est validé, peut-être que dans un pack de cartes, il pourrait y avoir une refonte de ces canons-là En fait, en termes de règles. l'idée Mais je ne suis pas sûr que les 10 des 10 dégâts, ça passe. l'idée du pack de canons impériaux, en fait, c'était de proposer une artillerie modulable, et donc bah, à l'instar de l'Empire Mahog, de proposer plusieurs types de canons, et donc de pouvoir imaginer une compo avec 3 canons différents, et en tout cas d'avoir un lance-fusée, d'avoir un grand canon, un canon court, etc. Mais que ce soit joli, esthétiquement parlant. Mais au final, celui qui apporte vraiment, c'est le lance-fusée. Hein. Lance-fusée, monstrueux. Bien joué, franchement, c'est la meilleure artillerie du jeu, en fait. Potentiellement, si la figurine rate son Shivering Timber, c'est 3 des 10 dégâts qu'elle prend quand même. Donc potentiellement, elle meurt. 30 points de vie à l'heure actuelle. Hors colosse.
Ça y passe. Hein. Ouais, c'est compliqué à gérer le lance-fusée. Donc on voulait vraiment surtout mettre ce canon-là en avant, mais dans l'idée, proposer de plusieurs types de canons et donc la possibilité de les moduler pour vraiment coller justement au background des Mahawk. Je suis d'accord avec toi, Adam. Les pièces d'artillerie posent un souci en termes de scénario, puisqu'elles ne le gèrent pas. Mais il y a différents profils comme ça dans le jeu, comme les montures. Elles ne sont pas forcément faites pour le scénario. Donc du coup, si on prend une artillerie ou une monture, on va pouvoir rentrer dans l'adversaire et l'empêcher de gérer ses scénarios, pendant que les autres figurines de la bande vont pouvoir le faire. Donc en fait, ça permet de dédier d'autres figurines à jouer le scénario pendant qu'elle s'occupe vraiment de taper sur la tête des méchants. Il y a ça, et puis si jamais la pièce d'artillerie ne te sert pas pour le scénario, il ne faut pas oublier qu'elle peut servir de couvert, elle peut bloquer des lignes de vue, elle peut obstruer un passage, elle peut... Elle est lancée sur l'adversaire si tu as suffisamment de force. Si tu as la force nécessaire, et maintenant avec les colosses, quasiment toutes les factions peuvent y arriver. Elles peuvent faire mal à la tronche, oui, effectivement. En fait, il faut pas penser l'artillerie juste comme un simple canon dans Briscard. Il peut servir à plein, plein de choses. Je pense qu'il n'est pas assez joué et utilisé, et donc maîtrisé par les joueurs jusqu'à maintenant, pour qu'on prenne conscience pleinement de ce que peut faire une artillerie sur une table. Mais il faut vraiment éprouver ce type de profil, pas seulement tirer avec, en fait. Il faut s'en servir comme leurre, il faut s'en servir comme couvert, il faut s'en servir comme bloqueur de passage, il faut ruser avec une pièce d'artillerie, en fait. Il faut qu'elle soit attirante de temps en temps et qu'elle serve de menace la plupart du temps. Voilà, il faut les jouer pour se rendre compte de la puissance que ça a. En partie test, j'avais tapé un délire comme ça, de mettre chez les Mahawk les trois canons et de mettre Tiedjang, qui est artilleur, mais c'était le seul artilleur des trois pièces. Et en fait, il restait en fond de cours et il sautait de canon en canon pour allumer les mèches, que ça tire dans tous les sens. Et il y avait un autre briscard qui était assez rechargé. C'était assez rigolo, ça avait foutu un bordel. C'est très faisable et surtout c'est super surprenant parce que tu t'attends pas à te retrouver devant une compo comme ça. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Ça déstabilise et la plupart du temps, à briscard, on sait très bien que déstabiliser... 4% 4% de billes. Ouais, mais il est en mode rabais là. Ouais. Mais déstabiliser son adversaire, c'est la moitié du gain de la partie à briscard, quoi. Tout comme j'avais vu la conversation qui était passée sur le totémisme que Ludo venait de redécouvrir et qu'il trouvait très fort. Effectivement, le totémisme a été sous-estimé pendant une grande période. Pourtant, c'est vraiment le... Ouais, t'as bon Guy, donc pardonne. Le totémisme est très violent. Enfin, en tournoi, quand je sortais le Tupilec... Mais t'as 2% des scénars. Non, je déconne. Tupilec, avec son totem relais, son totem de feu, il fait son mouvement gratuit, totem relais, totem de feu, ça fait qu'avant même que l'adversaire ait le temps de jouer, il a déjà fait, si je m'en sors bien, entre 3 et 4 tests de morale. Donc psychologiquement, ça a un énorme impact. Et l'artillerie, c'est le même principe, en fait. On met ça en face... L'autre, il va dire, mince, comment je gère ça ? Et... Tu es obligé de dédier au moins autant de points que le canon plus le servant pour pouvoir gérer le canon plus le servant, la plupart du temps. Et donc, ce n'est pas un mauvais investissement dans le sens où, de toute façon, ton adversaire, il est obligé de faire un choix. Maintenant, bon, voilà, c'est une opportunité, comme peut l'être le... Oui, on est obligé. Ouais. Peut-être que dans la V2 on a changé ça, effectivement. Je vais vérifier. C'est une opportunité, comme les montures, comme les colosses. C'est un vrai choix, comme la magie, comme tout un tas de choses, comme l'équipement surnuméraire. Parce que j'entends souvent ouais, j'ai déjà de l'équipement sur ma carte de profil, j'ai pas envie d'aller dépenser des pièces d'or en plus dans les trucs que je vais chercher dans le bouquin ou dans les packs d'équipement. Mais c'est un vrai choix. Si tu le fais, c'est parce qu'il y a certains profils qui se prêtent très bien à changer d'arme. Il y a certains profils qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont une très bonne dextérité, mais ils n'ont pas de flingue. Parce que la combo Mahé plus multigun, comme tout le monde l'appelle, elle est plus à démontrer au niveau efficacité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'intérêts.
à aller chercher de l'équipement ou à utiliser dans une partie donnée, dans un scénar donné, un colosse, une monture, etc. Et l'artillerie, c'est la même chose. Mais c'est comme pour tout à Briscard, c'est un choix que tu fais dans ta compo et c'est un choix qui est assez déterminant, assez prépondérant. Donc en fait, tu fais tourner ta compo autour. Elle a été pensée pour intégrer une artillerie, elle a été pensée pour intégrer une cavalerie, pour intégrer la magie, etc. etc. Je ne suis pas d'accord avec toi, Michael. Un petit dodger ne suffira pas à gérer l'artillerie. Ton petit dodger, il va peut-être l'incommoder quelques secondes, mais un autre briscard de ta bande va s'approcher du dodger, va l'attraper, le lancer, l'artillerie est dégagée, elle peut tirer. Il y a énormément de moyens en fait, de dégager l'artillerie pour lui permettre de tirer. Et ton dodger, s'il n'est pas collé à l'artilleur, l'artilleur pourra quand même faire feu. Donc oui, c'est une idée pour gérer une artillerie, ça va l'embêter, ça va forcer aux joueurs qui jouent l'artillerie à réagir et à se dépatouiller pour le dégager. Donc là, tu lui forces la main, mais ça ne l'empêchera pas de jouer s'il a envie, l'artillerie il la jouera. Ah, t'en veux ? Et puis j'ai l'impression aussi, enfin je me trompe peut-être, j'ai fait qu'écrire les règles, mais c'est pas compliqué de ceinturer un dodger. Si. Ah, il se défend de donner quand même. Ouais, enfin, il démarre à 1, non? C'est pas le meilleur du coup. Et donc c'est pas très compliqué de ceinturer un Dodger. À partir du moment où il est ceinturé, on n'en parle plus, il bloque plus. Et donc, l'artillerie, elle est à nouveau dispo. Et surtout, quoi qu'il arrive, il a fait mal ni à l'artillerie, ni au servant. Donc, les mecs sont toujours intacts. Et au final, eh ben, ton adversaire, pour gérer ne serait-ce qu'une seule activation, puisqu'il se fait ceinturer le tour d'après, enfin l'activation d'après, pour gérer pendant une activation, il a sacrifié 30 pièces d'or. Ça reste chiant, un dodger, ça je te le confirme, Lionel. Mais ça reste chiant, bien évidemment. Comment tu sais ça, Lionel, d'ailleurs? T'en joues zéro à chaque fois, je comprends pas. Mais le dodger, il y a plein de moyens, effectivement, le ceinturage permet de le dégager assez facilement. Un test de mental, il n'aime pas trop non plus. Ouais, voilà, il y a plein de choses, mais... Si tu veux le gérer de je manière... Je pense pas qu'un dodger suffise. Plus... Attraper l'artilleur et le lancer dans tes lignes, donc loin de sa pièce d'artillerie, ça sera bien plus chiant qu'un dodger, je pense. Mais il faudra plus qu'un dodger pour le faire. Ah ouais, il y a un peu trop de singes ces derniers temps. Cervelle de singe au dîner, ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup qui ont commencé, je sais pas. Ils sont peut-être revenus à leurs premiers amours. Mais en fait... Ludo, je comprends pas depuis 8 ans, moi, pourquoi on joue pas Sundar. Je suis le créateur, c'est ma faction préférée. Vous vous doutez bien que c'est la meilleure. sculpture ou pas, et puis j'ai vu sur le serveur qu'apparemment Big Pongo plaisait énormément, donc j'en suis très content parce que je me suis éclaté à la faire et c'est l'un de mes concepts préférés dans le jeu. Mais les Sundar, c'est super fort, et c'est super fort pour ce que vous en avez dit dans votre podcast. Billy the Kid aussi, etc. C'est super fort parce que c'est super polyvalent et que, en fait, rien n'est impossible pour les Sundar. Ce qui est pas forcément vrai pour certaines factions. Réfléchir pour un Quintor ou un Orenok, c'est pas une évidence. Hein. Pas pour tous les Orenok, bien sûr, Lionel. Hein. Mais... Ah, c'est sûr que Gustave Danseuse, peut-être qu'il aura un gros mental. Mais voilà. Ouais, tiens. Se balader en tutu chez les Orenok, il faut avoir du mental. 2 en force, 7 en mental. Ah non, j'avais prévu 1 en force et 7 en mental. Mais pour vous dire, en fait, la petite histoire sur la création des profils, ces derniers temps, c'est essentiellement moi qui les crée. Et habituellement, Manu passe derrière pour les nerfer. Pour les Sundar, en fait, je suis obligé de mettre toutes les stats à 1, puisque je sais que Manu va dire 10 partout. Et comme ça, on arrive à un juste milieu. C'est un peu comme avec les Mahawks, tu vois. Mais même pas les Mahawks, en fait, même pas. Ouais, non, pour la petite histoire, comme ça vous saurez un petit peu, c'est beaucoup plus Gwen qui est à l'origine des profils Briscard et c'est beaucoup plus moi qui suis à l'origine des profils Carnage. Voilà, parce que j'estime que Gwen il a une bien meilleure vision globale de Briscard et je pense que pour l'instant je te dépasse au niveau à ouais. Ce niveau-là dans Carnage. Ouais, puis naturellement en fait, ça s'est fait, chacun s'occupe d'un jeu, c'est plus facile en fait comme ça. D'avoir une vision d'ensemble sur le jeu et de voir un peu les interactions avec les... Moi, je ne dis pas que l'un et l'autre sont nuls dans l'autre jeu, hein, mais effectivement, moi, je suis plus focus sur Carnage en ce moment, et bah, forcément, puisque
J'essaye désespérément de continuer à écrire le fluff. Mais vous inquiétez pas, les fans, c'est toujours ma faction de cœur, je passe toujours derrière pour remettre des points de caractéristiques. Ouais, bah ça va, je pense qu'ils sont pas mécontents avec Brucha. Mais effectivement, chacun s'occupe en premier jet d'un jeu, mais derrière, on retravaille à deux les profils. Ce qui m'a permis quand même de sauver un profil Kerops qui était. Il est passé. Il a pris un power up, le pauvre. Mais effectivement, avant que Tide Toy sorte, il y a un autre profil qui va sortir chez les Kerops d'ici quelques mois, Lionel. Je te parle à toi parce que ça intéressera d'autres gens, mais toi, tu vas plus te sentir le jour où ça va sortir. Ouais, ouais, ouais. Ce petit gars-là, où effectivement, sous l'impulsion de Gwen, il a. Bêtement, il a pris deux compétences et un point de caractère. Juste sans augmenter son coût, il a pris deux compétences et un point de caractère. C'est pour te dire comment il m'a travaillé au corps. Tu vois quand même, Lionel, comment Manu n'aime pas les Kerops. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je trouvais que c'était déjà une plaie et en fait, maintenant, ouais. C'est devenu vraiment une affaire, ouais. Un calvaire. Quoi. En fait, il manquait le petit plus dans le profil qui le rend vraiment intéressant. Qui fait que tu sais plus t'en passer. Quoi. Ouais. Voilà. Non, effectivement, oui, lui, ce sera une vraie épine pour les autres. Ça dépend. Mais... Après, il est gérable. Hein. Il est gérable. Il a un gros talon qui s'appelle Achille. Ouais. Mais bon, vous verrez ça plus tard. Non. C'est. Enfin, on peut pas le recruter en plusieurs exemplaires, donc c'est un pseudo nommé, on va dire. Non, ce sera pas un nommé. Non. Il est unique, mais c'est pas un perso. Mais quand tu verras le profil, Guy, tu comprendras pourquoi il est unique. On pouvait pas en mettre plus de trucs. Et en fait, il est unique et en même temps non, parce que je vous l'annonce, ça aussi c'est encore du spoil. Tiens, on fait beaucoup de spoil ce soir, mais c'est normal, c'est le premier live. En fait, ce sera le premier Kerops qui arrive conjointement avec un nouveau profil, une nouvelle carte de profil pour la Guilde Noire. Donc en fait, bah, il va amener la possibilité de jouer un nouveau Kerops dans la Guilde Noire et qui sera beaucoup moins puissante qu'en Kerops, mais qui sera très sympa et qui apporte des trucs à la Guilde Noire, qui stabilise la Guilde Noire en fait. Ça apportera du générique à la Guilde Noire. Donc le profil sera effectivement très basique comparé au profil Kerops, mais ça restera quand même un bon profil. Un bon profil de cogneur, ouais. Dans la faction, il y a déjà pas mal de héros. Pour un gros talon d'Achille, une flèche ne suffit pas. Bah, mais en deux, à ce moment-là. Ou un javelot, ouais. Ça marche très bien. Mickaël qui me demande quelle faction je joue à Carnage. Bah, j'ai une faction de cœur, et c'est pas pour rien que c'est Alaric le héros, c'est les Goons. Parce que bah, un petit peu comme les Sundar, en fait, c'est... J'affectionne vraiment particulièrement les factions où on a plusieurs types de profils. Et chez les Goons, c'est un petit peu le cas. Autant chez les Kerops, on a beaucoup de bourrins. Chez les Karn, on a beaucoup d'armurés, beaucoup de persos ultra chers mais très balèzes. Chez les Fang, on a beaucoup de petits vicieux. En fait, chez les Goons, on a un petit peu ce qu'on retrouve chez les Sundar, c'est-à-dire qu'on a les champions tribaux qui sont assez balèzes. On a les Dogons qui sont assez ridicules. Et puis entre deux, on a des chamans, on a des pères de famille, on a tout un tas de choses qui permettent d'aller moduler et puis de créer des compos qui sont très très polyvalentes. Et moi, dans un jeu, c'est ce que j'aime, c'est arriver sur la table avec pas forcément les meilleures figues du jeu ou pas forcément l'assurance de gagner tel ou tel scénar, mais la capacité de pouvoir répondre à tout ce qu'on m'oppose en face, en fait. Alors, tu veux le double profil, Guy, calme-toi. À mon avis, il y aura un starter culéen avant. Oui, voilà. Calme-toi. Est-ce qu'il y a des profils carne femelle? Bah, t'as déjà la Vanguard et il y a des chances que la reine sorte. Bah, il y a. Alors, le prochain, je peux vous dire que le prochain profil qui sort ce mois-ci, si tout va bien, hein, le prochain profil, ce sera un Goon. Et ouais, bah oui, parce que justement, je me fais plaisir. Ce sera un Goon, mais dans les mois qui suivent, alors je ne vous le donne pas dans l'ordre, mais dans les mois qui suivent, il va y avoir effectivement une femelle Karn, et pas n'importe qui, même l'une des plus célèbres. Il va y avoir effectivement cette espèce de métabourrin Kerops, parce que quand même, c'est un putain de métabourrin. Hein, et il je va sais y pas si 29 points de vie en une baff à 3 PA, ça peut être appelé bourrin. Tu t'en dis trop là. Non, mais chez les Fang. D'accord avec toi, Guy. Il faudrait que tout le monde soit comme toi, insatiable.
Ce serait pas mal. Chez les fonds, peut-être. Ah, je sais plus dans quel ordre. Mais en tout cas, il y aura une nouvelle sœur nommée et un profil un peu plus générique de crevard, en fait. De vrai crevard. Ils ne s'appellent pas les affamés pour rien. Donc, je ne sais plus dans quel ordre ils sortent, mais voilà, pour les prochaines sorties. Et puis, forcément, bah, ça va continuer après sur la lancée. On a pas mal de petits trucs. Est-ce qu'il y aura des goons féminins? Bah, Michael, non. Déjà, tu vois que Octoros et Bonnie ont 10 PA. Ouais. C'est ça, hein, Octoros a 10 PA. Ouais. Hein, je ne dis pas de bêtises. Bonnie, c'est sûr, elle a 10 PA. Voilà, il y en a un autre qui arrive. Il y en a un autre qui arrive pour Briscard. Pour Carnage, effectivement, pour l'instant, on est à 9 PA. Parce que de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait une montée en puissance progressive pour Carnage. Parce que sinon, il va y avoir un désintéressement de plein de factions pour celle qui aura le perso ultime qui fait le café. Et c'est pas drôle parce que ça crée un désintérêt du jeu, ça crée des frustrations dans ceux qui n'aiment pas la faction, etc. Mais Maxime, il va falloir attendre le prochain KS. Mais voilà, je finis sur le truc. Oui, c'est prévu. C'est peut-être même possible que ça permette par la suite, peut-être avec un nouveau système de règles, en tout cas un ajout au système de règles existant, de monter à plus que 10 PA même dans le Carnage. Ouais, les montures ne sont pas du tout sur le. Par contre, oui, le style de jeu que Briscard. Petit spoil, effectivement, on en avait déjà parlé, je crois, avec Ludo, mais je crois que c'était en off, donc avec Ludo et Robin, on avait parlé en off, donc vous ne le saviez pas. Mais effectivement, les montures ne seront pas du tout gérées de la même manière qu'à Briscard. Ouais. Ça, c'est déjà écrit, c'est déjà couché sur le papier, et on est en période de test sur ce truc-là. On peut vous dire, par exemple, que ce sera sur des socles ovales, les montures, par exemple. Qu'il y aura des socles ovales de 80x120. Donc ça commence déjà à faire du beau petit socle. Hein. Donc ça fera des belles petites montures. Ouais. Et donc, elles ne seront pas du tout gérées comme des profils à part entière à Briscard. Ouais, ça ne rentrait pas sur du... Alors il y aura du 60x90, mais il y aura aussi du 80x120. Ouais. Bah, le patriarche, son trône, avec le... pour un peu de recul en fait. Ah bah effectivement, quand les tempos vont sortir, il va y avoir des gros socles aussi. Mais de toute façon, ce sera l'objet du prochain KS. Hein. Faut pas se leurrer. L'arrivée des tempos sera déterminée par la possibilité de réaliser ce KS. Parce que une toute nouvelle faction avec des figurines aussi balèzes que les tempos, ça va être quelque chose, ça va être un énorme boulot. Et donc, bah, on ne saura pas le planifier avec la publication qui est prévue, avec l'ajout de règles qui est prévu, etc. Justement, les montures dont on parle. On ne saura pas le planifier sans faire un KS. Ça ne peut pas être une sortie du mois comme ça aussi simplement. Ça demande trop de choses à mettre en place. Et ça n'aurait pas de sens de sortir un tempo un mois donné, puis un autre tempo, etc. Ce serait un peu ridicule. Vu la taille des figurines, vu la nécessité de travail qu'il y a derrière une modélisation, etc. C'est pas comme à Briscard où on peut se dire voilà, j'essaye de prendre de l'avance, on commandite certaines sculptures, etc. Et puis on sort une nouvelle faction parce qu'il y a eu 3-4 figurines de sculpter en amont. Pour des figurines qui vont être au moins une fois et demie, deux fois plus grosses que celles que vous connaissez dans le Carnage, le boulot il est monstrueux et donc. C'est bien ça, Vincent, c'est marrant. Tu n'avais pas répondu à sa question sur les goons femelles, Vincent. Est-ce qu'il y aura des goons femelles? Absolument. Il y en a une qui est prévue. Ce sera d'ailleurs la sortie goon qui suivra celle qui arrive ce mois-ci. Donc, si tout va bien pour la rentrée, normalement, d'ici 3-4 mois, il y aura une goon femelle. Il y aura une petite goon. Salut, Angel. De la date du prochain KS demande-t-on. Eh bien, écoute, le prochain KS, il est prévu, si tout va bien, pour le printemps de l'année prochaine, mais tout ça est complètement interdépendant de nos modeleurs et de nos concepteurs, parce que... Bah, et de la sortie de crise, ça va dépendre... Parce que justement, voilà, ils sont...
dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, complètement embarqués dans des entreprises insurmontables avec le Covid et avec la gestion du Covid, parce qu'ils sont profs tous les deux, parce que bah, ils doivent gérer du présentiel, de la gestion d'examen, du télétravail, du cours en télétravail et en même temps d'autres projets, ce qui fait que bah, ça tourne au ralenti en ce moment, et donc voilà. Alors, mais on espère vraiment qu'on pourra faire ça au printemps et du coup qu'on aura enfin des beaux tempos à vous présenter. L'Axias qui posait la question des mammifères ou des oiseaux genre vautour. Pour quel jeu? Presque ah oui. Oscar ou pour Carnage? Une faction de les vautours, ça se verrait plus sur Carnage. Hein. Mais j'essaye de négocier depuis des années une loutre sur un grand-duc, justement, mais pour l'instant, ça ne marche pas. On essaye de négocier des choses. Mais faction de Piaf, pour Carnage. Alors, justement, on allait te dire que effectivement, la dixième faction qui était prévue, qui était déjà au programme depuis de longues dates sur Briscar, c'était une faction de Volatile. Je m'étends pas plus là-dessus. Tu vois, on réclame une loutre. Non. Il te répète et il est mort de rire. Pour répondre à la classe sur Carnage, c'est possible. Pour l'instant, je reste très évasif parce que pour une raison toute bête, c'est que il y a beaucoup d'autres factions qui sont prévues déjà avant qu'une faction de volant arrive. Simplement parce que le fluff il est déjà développé, en tout cas si pas complètement rédigé dans les grandes lignes, hein, les chapitres sont écrits, ça c'est déjà couché, il reste plus qu'à rédiger, à romancer chaque chapitre, mais en gros moi je sais ce qui se passe jusqu'à la fin du tome 3 et merde, je viens de dire qu'il y a un tome 3. Ah bah de toute façon il y a un moment où quand il commence sur le... Ah, et donc les volants n'arriveront pas avant au moins le tome 4. T'inquiète pas André, on vient de sortir les selles, qu'on va les développer d'abord pour Briscar, et la nouvelle faction arrivera de toute façon, ceux qui connaissent notre mode de fonctionnement et qui connaissent Briscar depuis un petit bout de temps, ils ont dû s'en rendre compte, il n'y a pas de nouvelle faction, à part au tout début, au lancement de Briscar, il n'y a pas de nouvelle faction qui arrive sans une nouvelle publication, et en général, la nouvelle publication, elle amène un nouveau système de jeu, elle amène les règles de campagne, les montures, les colosses, les aberrations, etc. Donc il n'y aura pas de nouvelle faction dans Briscar avant qu'on soit en mesure de vous proposer, c'est-à-dire qu'on ait trouvé le temps de rédiger et de tester et de conceptualiser et de sculpter la suite de Briscar, parce qu'il y aura une suite, bien sûr. On ne va pas juste se contenter de ce qui existe et d'augmenter la taille des factions à l'infini. Il y a encore d'autres choses à écrire, et il faudra qu'on ait le temps de faire tout ça et de vous le proposer, comme d'habitude, de la meilleure des manières, de notre point de vue, avant de proposer une nouvelle faction. Mais vous savez déjà qu'après les Selk, ceux qui sortiront auront des ailes. Peut-être. Ou des bras ailés. Ou des pattes. Enfin, un bec. Peut-être. Ils ressembleront à des oiseaux, quoi. Ils ressembleront à des piafs. Voilà. Mais une nouvelle faction nécessite effectivement énormément de travail. Donc, il faut compter minimum 2 ans, je pense. 1 an et demi, 2 ans pour. Tout bêtement, en fait, moi, ça me prend c'est une. Pas pour tout de suite. Ça me prend, en gros, pour vous expliquer un peu le développement, ça me prend une nuit blanche de réfléchir à un nouveau volet dans Briscar ou dans Carnage, à me dire, oh putain, ce serait trop classe si on faisait des règles de campagne. Je passe ma nuit blanche à fomenter tout ça. J'en discute la semaine avec Gwen, avec Elodie, etc. Et puis, une fois qu'on a validé à peu près le projet, je pars dans mes pénates. Et puis, je commence à écrire des conneries, des machins. Ça commence à prendre forme. Je commence à en discuter avec nos concepteurs. Et puis, on commence petit à petit à développer tout ça. Puis, quelques mois plus tard, une fois que j'ai suffisamment de matière, suffisamment de biscuits, je commence à écrire noir sur blanc des règles, à les coucher sur le papier et puis à les synthétiser. Et à partir de ce moment-là, on commence avec Gwen les tests. On voit si c'est viable, on voit comme pour les colosses, les montures, etc., comme les aberrations. On voit si c'est viable. On revoit un petit peu la copie, on modifie certains trucs à la première lecture de Gwen et puis à nos premiers tests.
Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est fait, alors là, il s'est pratiquement passé 9 mois, 12 mois, hein, il y a déjà un an depuis la première idée, on ouvre les bêta-tests avec notre petit cercle Yomi pour en témoigner, etc. Dasqueer aussi, il est connecté. Là, salut, salut Dasqueer. On commence nos bêtas, on ouvre un peu plus, etc. Puis une fois qu'on a vraiment bien testé, pendant le même temps, les concepts ont commencé à arriver de l'autre côté parce que j'en discute beaucoup avec eux. Et voilà, on peut commencer à la rédaction, on peut commencer à vraiment avoir la version finale de la publication qu'on prévoit. On commence la mise en page et puis là, bah, ça reprend encore 3-4 mois pendant lesquels on profite de faire des tests. Mais donc, ouais, il se passe quasiment 2 ans entre une idée de base et la réalisation d'une nouvelle faction et d'une nouvelle publication qui est associée, quoi. Au minimum 2 ans, ouais. Et malheureusement, bah, le Covid n'a pas aidé du tout. On a mis tout en suspens et voilà, il y a tout un tas de choses qui sont en attente pour Carnage, pour Briscard. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et je pense que on fait tous avec. Il y a des boîtes malheureusement qui ont les lanciers du terrier. Ah ouais, ils réclament des chiens de prairie berserk. Je pense pas que ça sera les chiens de prairie qui seront berserkers. Je vois plus une autre faction. Il y a des trucs. Mais il y a fou de chiens de prairie. Chiens de prairie, j'aime beaucoup. C'est pas dit qu'un jour il y en ait pas. Ouais. Timon et Pumba. Pumba est un facochère. Est-ce qu'il y a Pumba, il existe déjà, plus ou moins. Hein. Enfin, en tout cas, il a ses cousins qui sont déjà dans Briscard. Qui sont dans Briscard, mais est-ce qu'il y aura un Pumba dans Carnage ? Vaste question ! Dieu seul le sait ! C'est... Et Dieu est là, il ne vous répondra pas. Mais, surtout pas, j'ai déjà été jusqu'au tome 3, là, je ne vous parlerai pas du 4. Hein. Non, il y a... Peut-être pas, Maxime, on verra bien. Merci, Eliaxias. Les sculptures, bah, pour Carnage, c'est... C'est en fait mes envies profondes et les talents de Jérémy à la base, et puis ensuite de Nico, de Thomas, de l'autre Jérémy qui nous a quittés maintenant, qui réalise tout ça en 3D. Et franchement, moi je suis bluffé, tu vois. Je retrouve avec Carnage, j'ai pas la même chose avec Brissard parce que je les sculpte et donc je les ai dans la main de la naissance à la mise dans le silicone, je ne retrouve pas la même chose, mais dans Carnage, en fait, je suis comme un gamin. Je me rappelle quand j'avais 12 ans et que j'achetais ma figurine pour laquelle j'avais économisé, que j'étais tout content de l'avoir en main. Bah, je retrouve ce même plaisir à avoir une figurine qui correspond exactement à ce que j'avais en tête. Et donc, je suis content que ça te plaise parce que jusqu'à maintenant, il y a très, très, très peu de figurines sur Carnage que j'adore pas, quoi, en fait. Question de Flo, est-ce que Entropia est ronde ou plate ? La question n'a toujours pas été tranchée d'un point de vue Quintor. La Terre est plate, donc Entropia est plate. En fait, c'est pas trop. On pourrait te répondre, mais on ne veut pas révéler au Briscard la vérité. Oh, c'est beau ça. C'est poétique. Ah non, no contest. Vous savez maintenant pourquoi il écrit les romans et c'est pas moi qui les écris. Hein. Ah, autour des pancoustes sur autruche, ça y est, ça barre en sucette, c'est l'heure de l'apéro. Non, par contre, autour d'un feu de camp, avec des marshmallows pour raconter la suite. Mais on demande que ça, de pouvoir se refaire des soirées Boy Scout. On adore ça, ces petites soirées où on discute à n'en plus finir et où on refait le monde d'Entropia ou de Safar. Mais le problème, c'est qu'on nous empêche de le faire jusqu'à maintenant. Et j'espère bien qu'à l'Octogone, on se retrouvera tous, ou en tout cas la plus grande partie d'entre vous, pour pouvoir discuter. Et peut-être qu'on vous révélera plein de choses à ce moment-là. J'espère bien que le roman, le tome 2, aura avancé. Je vous dis, normalement, je m'y remets à partir de la semaine prochaine. Je m'y remets. De toute façon, il n'aura pas le choix, je l'attache derrière l'ordi. Non, mais j'ai fini là. Pour le coup, je vais m'en trouver un mois sans avoir besoin de sculpter. Et du coup, effectivement, je vais enfin pouvoir écrire. Le problème, c'est la répartition du temps. C'est une catastrophe. Oui, Dasqueer, tu as été démasqué. De toute façon, ton nom est vert alors que tous les autres sont blancs. Donc tu es démasqué de base. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Les lanciers du terrier ? Peut-être. Les lanciers du terrier. Vous aimiez pas Lost des Affranchis ? Ils ne connaissaient pas Lost des Affranchis.
C'est quoi votre vision du prochain mode donjon pour Briscard? Sortir peut-être que des anomalies en attendant que tout le monde teste les abbés. Ah, d'accord, tu veux dire... Sortir des petites anomalies complémentaires. Je comprends différemment ta question. Il y a plusieurs sens à ta question. Est-ce que tu nous demandes à quoi va ressembler la prochaine aberration ou comment on va faire évoluer celles qui existent, c'est-à-dire comment les faire tester, les faire vivre, ou est-ce qu'il va y avoir des agréments pour les aberrations existantes? Du coup, je sais pas trop. Je te réponds à la première question, enfin que j'ai compris en tout cas. Au début, on a lancé l'aberration symbiotique. On ne savait pas du tout qu'on allait se faire confiner, que la Terre allait arrêter de tourner pendant un an et demi. Et donc, ce qu'on se disait, c'était, voilà, on lance ça, ça plaît, on fait des démos dans tous les salons avec des tables de démos à 4 joueurs. C'est-à-dire qu'il y a Gwen, moi, ou un autre démo qui est avec nous, qui gère l'aberration. Et puis, on prend 3 joueurs en face, qui ont chacun 200, 300, 400 points de Briscard. Et on leur montre ce que c'est qu'aller gérer une aberration. Ils s'éclatent, ils découvrent les règles de Briscard en même temps qu'ils foutent sur la tronche à l'aberration. Ils essaient. En tout cas, voilà, qu'ils essaient. Et du coup, bah, les gens découvrent comment on gère le mode donjon et comment on s'éclate à Briscard. On en profite, on fait d'une pierre deux coups, ils découvrent les aberrations, ils découvrent comment on joue à Briscard. Et donc ça, c'était le master plan pour les salons à venir, si tout allait bien. Il se trouve que... Il y a un gros compte chinois qui a lâché le Covid, et du coup... Non, pardon. Ça... On ne peut pas dire gros compte chinois, mais... Non, le Covid a foutu le plan en l'air. Voilà. C'est le truc, c'est qu'on s'est retrouvé avec notre super envie de mettre en place le jeu coopératif dans Briscard, c'est-à-dire de présenter la capacité de jouer à 3 ou 4 contre un MJ qui gérait l'aberration et de s'éclater avec ça. Et puis, cette incapacité d'aller montrer toute la puissance de ce truc-là. Volontairement, l'aberration symbiotique était un petit peu plus faible que les suivantes. Elle était, en fait, c'était la première, donc c'était celle qui initiait, ce qui fait que celle en niveau 1, logiquement, un joueur en 400 pièces d'or peut en venir à bout facilement en niveau 1. En niveau 2, c'est pas la même. En niveau 3, il faut commencer à réfléchir parce qu'elle commence à cogner dur et puis il y a du monde autour. Puisqu'en fait, en face, on va jouer avec 800, 900, 1000, 1200 points. Donc, il y aura plus d'anomalies, il y aura plus de sorts, il y aura plus de choses comme ça avec l'aberration. Pour l'instant, la symbiotique en niveau 3, sur le nombre de tests qu'on a fait, il y a peut-être 5 ou 6 parties où elle est tombée assez rapidement. Ouais, c'est ça. En gros, c'est à peu près 30% de réussite. Côté Briscard, tu la tombes à... une fois sur 3 avec certitude. Quand tu la tombes pas, c'est parce qu'il y a eu un petit peu de chance ou un petit peu de malchance d'un côté ou de l'autre, ou parce que y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé. Il y a des fois des grosses baffes, il y a des fois des échecs lamentables. Ou des fois simplement parce que la compo est mal prévue. Il y a des compos qui sont pas du tout taillés pour aller affronter les aberrations et ça s'est vu pas mal de fois en test. Par contre, la totémique niveau 3 bien jouée par le MJ qui joue à totémique, pour l'instant elle n'est pas tombée souvent celle-là. Mais voilà, pour en revenir à ça, on était un petit peu sur un esprit anniversaire, c'est-à-dire qu'on voulait sortir la saison 3. Donc, l'avènement des aberrations au mois d'avril, puisque c'était à peu près à cette date-là qu'on sortait d'habitude les nouvelles publications sur Briscard. Et donc, on se disait, si on avait suivi un cours normal, sans Covid, sans rien, avec le nombre de salons, c'est-à-dire une vingtaine de salons entre avril et la fin de l'année, comme on le faisait depuis 6 ans, il y avait 8 mois où les gens pouvaient appréhender, où on aurait pu organiser des tournois spéciaux aberrations, etc., etc. Ça paraissait logique et dans l'ordre des choses de proposer la deuxième pour les fêtes de fin d'année, le joli cadeau de Noël, hop, l'aberration totémique sort et puis on a un nouveau boss à affronter pour le donjon. C'était super cool, c'était malheureusement sans compter le Covid qui fait que la symbiotique n'a pas du tout été exploitée ou pas suffisamment. Et du coup, on a sorti la totémique parce qu'on était un petit peu coincé par notre calendrier à nous. Il a fallu du temps pour qu'on se retourne, qu'on demande d'autres concepts, qu'on crée d'autres cartes, qu'on crée d'autres profils, etc.
parce qu'on a un peu grillé notre avance à essayer de compenser les mois creux qui sont arrivés, mars, avril, mai, en 2020, etc. On s'est retrouvé un petit peu coincé. Du coup, on a sorti la vibration symbiotique parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à proposer. Mais ça n'a pas été la version totalique, pardon, mais ça n'a pas été un carton plein. Et je pense que comme les gens n'ont pas testé la symbiotique, la totémique est arrivée un petit peu trop tôt. Et du coup, l'engouement qui aurait pu y avoir sur les aberrations, sur le jeu coopératif, etc., était un peu biaisé, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Ce qui fait qu'on a... On a réagi face à ça, hein, parce que on n'est pas con, on écoute la communauté, on vous écoute, on discute avec vous justement pour avoir vos ressentis et pour faire mieux à chaque fois. Ce qui va permettre de répondre à la question de Nathanaël, des aberrations de prévues cette année. À la base, c'était prévu tous les 6 mois, effectivement, à peu près, les aberrations. Là, on est plus passé sur un calendrier annuel. Logiquement, il n'y en aura pas avant la fin de cette année. Et encore, tout dépendra de effectivement la reprise là. Est-ce qu'on a le temps? Parce qu'au final, si on la sort à la fin de l'année, mais qu'on n'a pas eu le temps de plus jouer ensemble, que vous n'ayez pas eu le temps de plus faire de tournois, de redécouvrir cette aberration, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver pour jouer, ça va faire comme la totémique. Les gens vont dire pourquoi une troisième? J'ai pas eu le temps de jouer la première. C'est ça. Tu vois. Et donc, on préfère attendre. Et pas faire un flop sur la totémique, qu'en termes de vente, ce soit prépondérant, déterminant, etc. Bien sûr que notre nécessité de faire du chiffre d'affaires, il ne faut pas se cacher. Hein. On a des factures à payer, on est une société, on a des salaires à verser, des charges à verser, des loyers, des choses. Voilà. Faire tourner une structure, ça coûte des sous. Et donc, le chiffre d'affaires est important. Mais surtout... C'est frustrant et c'est peinant quand tu crées des choses, que tu t'investis, que tu mets toute ta passion à fabriquer des profils, à tester, à faire des synergies, à faire en sorte que ça marche, etc. Parce que sur la totémique, il y a vraiment beaucoup plus de choses à découvrir que la symbiotique. Hein. Les parties sont 10 fois plus intéressantes, 10 fois plus... Avec un gameplay complètement différent de la symbiotique. C'est différente, ouais. Mais pour rien vous cacher, le profil de la suivante est déjà en train de germer et en train... On peut vous dire que la suivante, ce sera l'alchimique. Ouais, l'alchimique. Voilà. Ce sera carrément là. Oh, la blague, le spoil. C'est le premier live, on fait du spoil toute la soirée. Tu veux pas tourner la caméra pour montrer la table qui va avec aussi? Voilà. On est en train de faire une table, rien que pour la prochaine aberration. Et donc le profil de l'aberration alchimique est en cours de développement avec un nouveau style de gameplay, etc. Mais on la sortira au moment opportun et pour l'instant avec le Covid, on est un peu bloqué. Alors, Tembo et Chemist seront une seule et même faction? Oui, les Chemist et les Tembo sont ensemble. Ils seront complètement... intégrés à la faction des Tembo, c'est-à-dire que globalement on les appellera les Tembo quand on parlera des Tembo et des chimistes, et parce qu'on pourra les jouer entièrement ensemble. Par contre, ce seront deux sous-factions à part entière, c'est-à-dire que tu pourras jouer full Tembo, tu pourras jouer full chimiste. Est-ce que tu préfères jouer une figurine ou en jouer 15? Voilà. Mais... Non, mais c'était pour répondre à sa deuxième partie, autant de gazelles que d'éléphants. Alors, une gazelle, ça vaut pas un éléphant, hein, malheureusement. Voilà, un Tembo, ça coûte plus cher que... sauf certaines, hein, vous connaissez Neftis, voilà, elle n'est pas gratuite non plus. Elle. Mais elle sait faire le café. Ce qui est pas mal quand même. Ouais. Pour une putain de magicienne. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait... Contrairement aux Cards, aux Kerops, aux Fang, aux Goons, qui ont certains traits de faction, mais qui ne sont pas systématiques. Et là aussi, vous vous rendrez compte qu'on a écouté la communauté, qui ne sont pas systématiques et qui ne sont pas gravés dans le marbre. C'est-à-dire les Cards, hormis certaines bassesses auxquelles ils ne se livrent pas, ils ne vont pas aller dépouiller les cadavres, etc. Il n'y a pas de trait qui soit systématique dans les 4 factions qui existent, dans les 5 avec la Guilde Noire.
Par contre, ce sera le cas pour les TMBO et les chémistes. Ils auront des capacités spécifiques à leur faction. Les TMBO auront des compétences que n'ont aucune autre faction. Les chémistes auront des compétences que n'ont aucune autre faction. Donc, ils seront une faction à part entière. Et ensemble, TMBO et chémistes pourraient être joués indifféremment ensemble, mais ils auront chacun des spécificités propres à leur nature, en tant que chémiste et en tant que TMBO. Et jouer ensemble, ça deviendra immense. Et ouais, il y a des combos à faire qui sont assez monstrueuses. Une faction pangolin de la peste. Alors en fait, moi, j'en ai super marre. J'en ai super marre, Docteur D. Toi le dernier, mais tous les autres avant, j'en ai super marre qu'on s'en prenne à ce pauvre pangolin. J'adore ce bestiau. Ça fait des millions et des millions d'années qu'il survit envers et contre tout. Il a fallu que les humains s'énervent dessus et le massacre à grands coups de millions pour le bouffer et vendre des écailles comme aphrodisiaque. Il faut quand même se rendre compte de la bêtise humaine. Et le massacre et le décime, c'est une espèce qui est super en voie de disparition et très en danger. Et on essaye de lui faire porter le chapeau du Covid, ce qui est une aberration absolue. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter de s'acharner sur le pangolin. Donc si un jour on fait des pangolins, ils ne seront pas pangolins de la peste, déjà pour commencer. Et ils seront super pangolins. Ils seront super pangolins, avec une petite cape dans le dos en train de voler et tout. Ce sera des pangolins avec 10 partout en carac. Et vous allez pas comprendre ce que c'est que plus que 10 PA. Vous voyez la 10e faction avec des ailes, ça sera des pangolins. Et... Oh, voilà. Non, j'adore les pangolins. C'est magnifique, c'est super mignon. Mais ils seront certainement pas de la peste si on a... Mais voilà, super pas de la peste, parce qu'ils sont tellement adorables. Et ils ont tellement... de courage, d'opiniâtreté, de match, qu'ils ont bien autre chose à montrer que la peste. Voilà. Il y a Maxime qui demande un pack d'équipement physique, tu sais, pour représenter les épées, etc. C'est en cours de travail. On y travaille. Il y en a déjà 6 ou 7 qui sont imprimés, prêts à mouler. Il y en a bien d'autres qui sont en développement. On les prépare. Et oui, il y aura des cartes d'équipement qui vont aller avec, des nouvelles cartes d'équipement en plus du pack existant. C'est ça, c'est-à-dire qu'un peu comme l'objectif de la Guilde Noire, vous avez l'objectif et vous avez des profils génériques qui vont avec. Ça sera un peu sur le même ordre d'idée. On y travaille. L'idée, ouais, c'est de. Alors, en fait, pour l'instant, c'est comme pour le jeu de rôle, c'est qu'on est en train d'amasser du matériel, des armes différentes, mais c'est des armes de toute faction. Il y en a qui sont très spécifiques. Simplement, les armes que vous connaissez, on va les décliner, on va les proposer aussi à l'unité, mais il y aura des sabres Fang, enfin les cimeter Fang, il y aura des haches Kerops, il y aura des choses comme ça. Mais du coup, elles sont très typées. On amasse le matériel parce qu'on ne sait pas encore si on va proposer des packs par faction ou des packs génériques avec des armes de toutes les factions. On ne sait pas encore combien de cartes on va mettre dedans, etc. On est en train de rationaliser tout le contenu qu'on est en train de créer. Mais ça va arriver, ça c'est certain. C'est dans les tuyaux. Ça voilà, c'est sûr. J'ai trop envie de customiser plusieurs génériques pour pas jouer deux fois la même figurine parce que j'ai horreur de ça en jeu. Donc vous inquiétez pas, tôt ou tard, on pourra changer les armes de nos petits pitous. Des nouveaux décors peut-être, pareil, les décors ça se réfléchit et on essaye de vous proposer à chaque fois des décors intéressants, c'est-à-dire que des choses que vous ne pourrez pas forcément faire par vous-même ou ça prendra trop de temps. Donc du coup, pour l'instant... Typiquement, on en discutait encore il y a 15 jours, on était en train de réfléchir à ce qu'on allait faire, je me rappelle... Pour le pack de cartes ? Non, le plus pour la guilde. Oui, aussi. On en discutait, on était en train d'établir et c'est quelque chose qu'on avait prévu de vous sortir au KS. Des nouveaux éléments de décor, mais qui seraient spécifiques à chaque faction. Un peu comme on a fait les objectifs de faction, en fait, oui, les objectifs de faction, un peu dans le même esprit, c'est-à-dire des éléments qui vont permettre de singulariser une table, de personnaliser une table à l'allure de sa faction favorite, etc., ou alors de créer un champ de bataille, parce que justement, les packs d'équipement permettront ça aussi, de créer des tables où on a l'impression d'être sur un champ de bataille, où il y a des armes, il y a des épées, des boucliers qui traînent par terre, etc. Et donc tous ces packs d'équipements de décors et vont sortir avant ou après, mais les décors qui étaient prévus pour Carnage, en tout cas, étaient prévus pour le KS. On verra si la capacité ou pas à respecter le calendrier sur le KS feront qu'on va le sortir au moment du KS, avant ou après.
Ça, pour l'instant, on ne peut pas vous le dire. Mais que ce soit pour Carnage ou pour Briscard, effectivement, il y a potentiellement encore des décors dans les tuyaux. Mais c'est pour pas... Carnage, c'est certain. On sait d'ailleurs à 80%, puisqu'il y a 5 factions, donc à 80%, on sait quel décor va y avoir pour quelle faction. Il reste une faction à déterminer sur laquelle on doit trancher, et ensuite, bah, il faut les faire et savoir si on les balance OKS avant ou après. Alors, petite question de Flo, des nouvelles figurines chez les Bunny, sans compter les V2. Oui, t'auras pas plus d'infos. Voilà, ça t'apprendra. Mais il y en a une dont j'attends le concept avec impatience d'ailleurs. Il y a une nouvelle figurine, j'ai fait le profil, Manu m'en a parlé. Et voilà. J'attends avec impatience le concept parce que c'est un délire qu'on a et j'espère que Jérémy va s'éclater là-dessus. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Ouais. Normalement, ça devrait être... Mais oui, ça va te plaire. Les aberrations sont un peu dures à appréhender. Oui, mais l'aberration demande, quand tu la joues, d'avoir une grande maîtrise du jeu, puisqu'elle rajoute des règles aux règles déjà existantes, ou elle en invalide certaines. Donc, faut déjà avoir une bonne connaissance du jeu. C'est comme on en discutait sur le premier jour du lancement du serveur avec toi, Walou. C'est comme pour Briscard, en fait, quand tu découvres le jeu, il faut y aller par briques. Et la première partie avec une aberration, par exemple, ne te soucie pas du tout des cartes capacité. Utilise bêtement et simplement, je m'active, bah, je vais utiliser mes bras, je m'active, je vais utiliser ma tête, je m'active, je vais utiliser mes pieds, etc. Si tu as bien maîtrisé ça ce tour-là, au premier tour, au deuxième tour, bah vas-y, je commence à me déplacer et je commence à intégrer, avec la symbiotique en tout cas, je commence à intégrer les déplacements, je me déplace, je vois l'influence que je peux avoir, j'utilise mes bras, etc. Et si vraiment là, tu commences à être à l'aise, rajoute les cartes capacités pour le troisième tour ou la fin de la partie, ou alors attends la deuxième, et commence à utiliser les capacités, et tu vas prendre petit à petit la pleinement conscience et pleinement... Tu vas prendre considération de la puissance que peut avoir une aberration. Et en le faisant par étapes comme ça, en fait, tu te rends compte. Et surtout, tu n'oublies pas chaque étape. Tu ne vas pas te dire « Ah merde, j'ai encore oublié les capacités ce tour-ci » ou « Ah putain, je l'active et... » Pour rejoindre ce que dit Manu, en fait, la symbiotique, tu as presque la nécessité de jouer les capacités pour la booster et qu'elle soit vraiment violente. La totémique, dans toutes les parties test qu'on a faites, on a très peu joué les cartes capacité. En fait, on s'en sort très bien sans, il y a tellement de choses à faire, c'est pas nécessaire de jouer. La symbiotique va faire, en fait c'est prévu comme ça, la symbiotique va faire que la première fois qu'un joueur la rencontre, il se mange une tôle, sauf cas extrême ou parce qu'il maîtrise très bien le jeu, etc., qu'il s'adapte très vite, etc. Il se mange une tôle. À la deuxième partie, normalement, il est capable de la battre. Et si le joueur qui maîtrise l'aberration symbiotique gère pas bien ses capacités, alors il va se faire battre. Ça se parle du niveau 1, hein, typiquement. Niveau 2, niveau 3, c'est un petit peu différent. Ça dépendra des compos ou de la grosse compo qu'on va lui opposer en face. L'aberration totémique, c'est le contraire, en fait. C'est première partie, le gars va se prendre une tôle. Ça change pas. Deuxième partie, le gars va se reprendre une tôle. Et celui qui gère l'aberration totémique, il n'a toujours pas besoin d'utiliser ses cartes capacités. Il est toujours à l'aise. Parce que les fétiches, les totems qui lui servent de jambes, peuvent vraiment faire complètement la différence. Et en gros, c'est comme si tu jouais une bande en plus d'une aberration. Donc tu fais vraiment mal à ton adversaire. Et c'est seulement quand ton adversaire Briscard va comprendre comment gérer les totems, les jambes de l'aberration, en fait, que là, tu vas commencer à avoir besoin d'utiliser tes capacités. Et les capacités vont te permettre de franchir encore un autre palier. Mais au démarrage, franchement, j'attends le joueur qui, en toute objectivité et en toute honnêteté, me dira, moi, la totémique, je l'ai tombée la première fois que je l'ai rencontrée. C'est vraiment compliqué. Alors, si elle est bien jouée. Hein. Attention, on parle d'aberration totémique niveau 3. Là où elle a son plein potentiel. Parce qu'au niveau 1, niveau 2, où elle a moins de totems jambes, effectivement, c'est faisable en fonction du choix des totems que tu vas faire. C'est ça, c'est extrêmement faisable de les tomber. Jouer full gazelle envisageable, oui, on a répondu. Des mâles chez les chimistes.
Alors, full gazelle, ce sera possible, peut-être pas tout de suite au KS, parce que bah, vous imaginez bien que si NFTs va coûter très cher, elle sera peut-être pas la première à sortir, mais les génériques, les premières Vestales, les guerrières, etc., seront pas très chères en coût de recrutement. Donc, soit il faudra jouer plusieurs fois la même figurine, soit il faudra attendre un peu, parce que ce sera difficile d'aligner 500 couronnes en full chémiste. Mais en tout cas, oui, à terme, bien sûr que ce sera prévu, bien sûr qu'on choisira ou Tembo ou Chemist, ou les deux quand on jouera Tembo. Des mâles chez les chimistes. Des mâles chez les chémistes, j'en connais pas. Pas pour l'instant. J'en connais pas. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver, mais pour l'instant, ce n'est J'en pas connais prévu. pas. Il y en a eu. Dites-vous bien qu'il y en a eu, sinon il n'y aurait pas de chémiste. C'est ça. Mais pour l'instant, j'en connais pas. Il reste caché au fond du bois. Les insectoïdes. Un choix intéressant de Tuck Dual. Les insectes, c'est tellement vaste que ça mérite son propre univers. Je sais qu'ils sont nos amis, qu'il faut les aimer aussi, mais C'est facile. voilà. Mais le souci, c'est qu'effectivement, comme dit Gwen, je pense que c'est tellement un vaste univers, le monde des tout petits là, que on leur dédiera. Si on sort ça un jour, on leur dédiera un jeu complet. Ça, ouais, parce qu'en plus chez les insectes, il y a des belles saloperies. Enfin, même chez les animaux, on prend la scie, par exemple, la crevette pistolet du fond des mers. C'est le genre de bestiole, c'est dur à incorporer au jeu, parce que La enfin, crevette menthe, ben, c'est celle qui a c'est 20 PA et qui a ça. 10 partout. C'est 20 PA et elle te tape, t'es mort. Enfin, donc c'est pour ça que les insectes ou les animaux australiens, s'ils sortent un jour, il y a des chances pour que ça soit dans leur propre univers. Pour éviter de déstabiliser. Mais moi, ça m'éclate depuis des années, hein. J'ai envie de sortir un jeu avec que des dinosaures, j'ai envie de sortir un jeu avec que des insectes. Ça se fera peut-être un jour si on arrive à développer suffisamment TGCM et à redresser la barre post-Covid. Voyez ce que je subis au quotidien? Eh oui. Les dinosaures et les insectes, non mais arrêtez quoi! Alors qu'ils me refusent les loutres sur Grand-Duc! Pour le pack, ouais. Alors, Alors, je une pense que je peux question. quand même y aller des acheteurs plus que les tonneaux, par exemple. Et oui, mais c'est plus facile de sortir des tonneaux que des packs d'armes, parce que tu te doutes bien qu'on va pas sortir un pack avec trois armes. Donc pour un pack d'armes, il faut du contenu, il faut du matos. Alors que pour un pack de tonneaux, si tu sors 40 tonneaux, les gens vont pas l'acheter non plus. Donc il vaut mieux trois tonneaux que 20 armes. Créer Une des... figurine à l'effigie de Guy, anthropomorphe. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Guy, je te laisse t'expliquer avec Tuck Duel en off si tu veux, mais je veux le résultat, je veux savoir ce qui s'est produit. En plus, enfin, il peut déjà s'assimiler à certaines figurines s'il a envie, mais ça sera son libre choix, parce que sinon ça peut être un peu blessant. Imaginons, on choisisse de le transformer en cochon. Pourquoi cochon et pas autre chose? Voilà, c'est un peu... Voilà. Puis c'est dit, quoi. Il a besoin d'avoir sa figurine. Mais est-ce qu'il existe déjà, pas déjà chez les Tuléens, Guy? Vraie question, ça. Est-ce que Guy, tu te retrouves pas déjà chez un Tuléen? Alors, ça me suffit, docteur Guy. Il faut penser à tout le monde. Certains ne sont pas fans du modélisme, bien sûr. Un pack d'armes, un cécile modélisme, ceux qui ne sont pas timbrés comme moi, sont tous les de base. L'avantage, effectivement, du pack d'armes, à mon sens, moi, c'est que tu peux très facilement habiller une table sans toucher aux armes, hein, juste en les posant contre un mur, en faisant un truc tout bête, etc. Tu crées véritablement très vite une ambiance en posant un ou deux boucliers, une arme d'ast et puis une épée au sol. Tu as créé l'ambiance de ton jeu, quoi. Et donc, un pack d'armes, c'est pas nécessairement que pour les hobbyistes. C'est aussi pour facile. Même pour mettre sur un socle, tu mets une épée sur un gros socle, tu mets une hache à terre, tu la coupes à moitié, tu donnes l'impression qu'elle est plantée dans le sol. Ça met tout de suite une ambiance, ça crée une intention sur ta figurine, sur ton socle, sur ta table de jeu. Et donc, ça sert pas qu'aux hobbyistes, les armes. Il n'y a qu'à voir par exemple l'arme qui est incorporée dans l'objectif Guilde Noire, la clé mort qui est Voilà. verte. On sait tout de suite que C'est c'est un objet, c'est pas juste un tronc d'arbre mort, quoi. ça.
Puis au-delà de ça, en fait, tu peux créer tes propres objectifs de scénario, etc. Tranquillement. Bah, j'avais fait, je sais pas si je les ai là, je vais aller voir. Pour les objectifs de scénario, pour les témoins, je vais créer quelques. Non, ils sont pas. Ils sont bons. Donc forcément. On range les affaires. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, je pense, parce que c'est un petit ajout qui fait que tu n'es pas obligé de l'intégrer, d'aller usiner la main de ta figurine pour pouvoir lui intégrer l'épée qu'il n'avait pas à l'instant d'avant, etc. Tu peux simplement, je te dis, la poser contre un mur et tout de suite, ça donne une ambiance, quoi. Un mur, c'est un mur. Une épée contre un mur, c'est une ambiance médiévale. L'espèce groin dans l'espace, les cochons de l'espace. Ah, mais ça, on en parle depuis la création de Briscard. Un jour, peut-être. J'ai vraiment l'envie qu'un jour, tu vois, on a développé l'univers pirate avec Briscard. On se lance dans Medieval Fantastique, qui est un petit peu ma tasse de thé et mon péché mignon, en tout cas en termes de jeu, avec Carnage. Je vais pas me cacher, on est entre nous là. Je suis un grand, grand, grand fan de Star Wars et de science-fiction. Et donc, oui, j'ai secrètement envie qu'un jour on sorte un jeu futuriste. Mais pour ceux qui sont intéressés, à l'heure actuelle, on prend Torquemada, on lui met un sabre laser dans les mains et ça fait un très beau Torqua Jedi, Ça fait qui est Torque Yoda. un Torqua Yoda, et ça passe très très bien. Conversion déjà faite, il faut que je finisse de le peindre un jour peut-être. Voilà. Non, il y en a plein, mais vraiment un jeu futuriste. Alors, je ne sais pas encore, parce que là-dessus, il n'y a rien de défini. Hein, pour l'instant, on se concentre vraiment sur Briscard et Carnage. Mais je ne sais pas si ce sera post-apo, si ce sera ultra SF, si ce sera de l'Uchronie, etc. Mais oui, c'est un univers et c'est une ambiance qui me titille, en tout cas, parce que vous doutez bien qu'on n'a pas joué qu'à des jeux made fan. Et Ouais. du coup, oui, On évitera de tomber dans les classiques cochons nazis. Enfin, c'est un peu le parallèle facile. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, il y a plein, plein de choses à Mais faire là-dedans. d'abord, on Briscard, Carnage, on continue de les asseoir. Et effectivement, il y a d'autres jeux, d'autres ambiances qui sont dans les tiroirs quand les premiers jeux sont bien installés. Serait-il possible de soutenir TGCM sans forcément acheter des figurines? Alors, je peux te donner l'adresse de notre PayPal. Je comprends pas la question sans forcément acheter des figurines. Ben oui, parle de nous. Dis à tous tes potes de rejoindre notre Facebook, notre serveur Discord, d'aller voir nos figurines sur notre site. Parlez de nous et montrer nos jeux et dire que ce qu'on fait, de les envoyer vers les gens qui parlent de nous en vidéo, etc. Bah c'est la première manière de nous soutenir, de faire quelque chose pour que bah, Briscard et Carnage continuent de vivre, qu'Entropia et Safar se développent. Moi, je demande qu'une chose, en fait, c'est simplement qu'on puisse payer nos factures. Mais ce n'est pas à tout le monde de le faire. C'est à ceux qui sont suffisamment motivés et qui sont suffisamment intéressés par nos jeux pour acheter nos figurines, nos éléments de décor, nos publications, etc. Les autres, s'ils ont envie de nous aider, allez-y, parlez de nous et donnez l'envie à vos potes qui sont figurinistes, qui font du hobby, qui s'éclatent en peinture ou qui adorent jouer. Donnez-leur envie d'aller nous voir, nous connaître et de nous rencontrer, quoi. Après, je pense que la question de flow, c'est est-ce qu'on peut donner de l'argent à une entreprise sans rien acheter? Donc, d'un point de vue légal, je ne sais pas trop. Alors, quand tu veux te faire élire, l'enveloppe est limitée à 7 500 euros par personne. Quand tu veux simplement survivre avec ta passion, c'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes lois qui s'appliquent. Si effectivement tu as envie de soutenir machin, la meilleure chose que je pourrais te dire, parce que ça c'est complètement légal, c'est d'attendre le prochain KS. Et tu peux t'engager à hauteur de 1 euro ou plus, on fait toujours ça, hein, c'est-à-dire vous avez juste envie de nous soutenir et de trouver que notre projet est bien. Et dans le cadre d'un Kickstarter, c'est totalement légal, c'est totalement autorisé. Donc voilà, à ce moment-là, oui, c'est faisable de nous soutenir, de nous aider dans le cadre du KS. Autrement, je ne sais pas légalement comment je pourrais justifier d'une rentrée d'argent sans faire de facture.
C'est con, mais voilà. Et voilà. Et je préfère ne pas avoir d'ennui avec l'administration parce qu'ils sont déjà suffisamment gonflants quand on respecte tout. C'est ça. L'administration est très laxiste avec les très grosses entreprises. Par contre, pour les très petites, ça nous tombe dessus très rapidement. Ouais, il vaut mieux pas avoir un jour de retard pour le paiement de la TVA ou ce genre de truc. Hein. Je vous confirme. Starter Guilde Noire limité en stock. Effectivement, c'était une édition limitée. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste très peu de starters, mais il faut savoir, on l'avait déjà expliqué, au mois de janvier, quand on a sorti les figurines à l'unité, c'est le starter en lui-même qui est limité. C'est-à-dire que la boîte, le petit livret qui va avec, puisque le petit livret, c'est les règles, la boîte en elle-même, le dé, etc., c'est des choses que tu ne pourras plus retrouver après. Par contre, et donc le prix attractif qui est proposé avec le starter, par contre, les figurines à l'unité resteront disponibles. Enfin, C'est vrai et faux. C'est-à-dire que le livre de règles, les dés, les réglettes, etc., tu pourras les retrouver dans les autres starters. Ah, le gris et noir, tu ne le retrouveras plus, le dé. C'est bêtement. Pas la même couleur de dés, mais tu. Le contenu, c'est bêtement un chez sexe gris et noir, mais tu ne l'auras plus jamais. Chez Carmen. Si tu veux la guilde noire à un prix préférentiel avec tout le matos pour pouvoir jouer, le starter, effectivement, est en édition limitée. En gros, tu gagnes un peu plus de entre 20 et 25 euros, je crois, quand tu achètes le starter par rapport aux figurines à l'unité. Et voilà, tu as surtout une boîte qui est marquée édition limitée. En plus du livre de règles, en plus de tout le matos qui est à côté. Voilà. Non, c'est franchement un starter intéressant parce que. Il est directement jouable, il est directement en 400 couronnes, t'as pas à te poser de questions, t'alignes tes 3 pimpins, tu vas en tournoi, t'as les chances d'être sur le podium, et pour 69 euros, t'as 3 très beaux personnages de carnage. Je pense que c'est vraiment une super offre. Maintenant, effectivement, tu pourras continuer, même si t'as loupé le starter, continuer d'acheter ces figurines-là plus tard. Un truc dédicacé, vente aux enchères, pour pouvoir faire un don... Bah, ça tombe bien, je vais faire demain une lessive. Je vais pas. Non, on commence à déconner. Vous ne voulez pas le caleçon. Je vous le dis tout de suite. Alors, vous ne voulez pas. Je fais juste un petit aparté. Il nous reste 10 minutes de live parce qu'on ne pourra pas s'étendre trop trop loin. Moi, il faut que je rentre chez moi après. Je suis avec Gwen justement pour qu'on soit à deux en live. Je veux respecter le couvre-feu et pas avoir d'ennui pour pouvoir bosser demain. Donc, il nous reste 10 minutes pour finir ce premier live. En tout cas, je suis super content, je le dis tout de suite, je suis super content qu'il ait été aussi dynamique, que vous soyez tous là et qu'on discute joyeusement avec vous. Caleçon dédicacé de Manu. Tant que tu m'auras pas... tu te rappelles ce que tu devais faire hein, au 100e abonné d'Invasion dans le Fief, Guy. Donc... c'est vrai. Ne me lance pas sur le sujet. Mais le truc dédicacé, si ça pouvait intéresser les gens, je le ferais tout de suite. Le truc, c'est qu'en fait, je dédicace quasiment toutes les factures que j'envoie aux gens. Donc, ma dédicace, c'est la moins recherchée du monde de la figurine. Puisque je, dans 9 cas sur 10, j'écris un petit mot à chaque personne qui nous commande quelque chose. Celle des lots, effectivement. Effectivement, celle des lots, ce serait beaucoup plus rare. Ah, ça, effectivement. Mais il faut que ça va me demander des jours et des jours de négociation, ça. Ouais. Oui, bah, surtout que là, elle est occupée, donc ça va pas être possible. Voilà. La dédicace n'est pas pour nous, mais pour l'administration. Une belle trace de goutte sur un caleçon. Mais non, il va se calmer. Mais l'administration a déjà plein de dédicaces de la part de Manu. Si tu savais le nombre de documents qu'on doit signer. Le nombre de chèques, etc. Oh là 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 là, quelle horreur. Est-ce que vous avez des idées de collaboration avec Étienne Willem ? Eh bien, écoute, il faut savoir qu'il y a énormément de concepts d'Étienne dans Briscard. La plupart des selles que c'est lui, c'est d'ailleurs tous les selles que tous les selles qu'elle c'est lui qui les a designés, Mickaël. Donc on collabore avec Étienne. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on avait l'habitude de se caler sur certains salons et on ne s'est pas vu depuis... Oula, un an et demi. Même plus que ça, c'était fin 2018, puisqu'on ne s'est pas vu en début 2019. C'est 2020, non? 2018? Ben oui, dernier salon février 2019, donc on s'est vu fin en novembre 2018. Oh là là, c'est horrible. Ça fait 3 ans bientôt, et... on ne s'est pas vu avec Étienne. Donc oui, on discute sur nos groupes Facebook, sur nos messengers Facebook, etc. Mais c'est un peu plus compliqué de se caler. Ouais, et collaborer avec lui plus loin sur des BD et autres, effectivement, ça nous ferait plaisir, mais alors, c'est un garçon qui est quand même pas mal occupé. Le souci, c'est au-delà de ça, c'est que il est,
il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut puisqu'il a, comment on appelle ça, c'est pas un producteur, c'est, il est engagé auprès d'un éditeur de bande dessinée et donc il n'a pas libre choix totalement de tout ce qu'il peut faire en fait. Et donc, tous les partenariats qu'on pourra mettre en place avec lui, ce sera avec grand plaisir parce que j'adore le bonhomme et comme toi, CBD, etc. Mais c'est seulement dans le cadre des possibles. Et dès qu'on se reverra. Guy essaye de négocier sous quinzaine le starter et le gros Kerops. Alors le gros Kerops, non, parce qu'il n'a ouais. même pas commencé d'être sculpté. Effectivement, tiens, tu vois. Ah, tu veux... Ah, tu viens d'en voir un. C'est fou, ça. Tu l'as lâché super vite. Tu viens d'en voir un autre. Voilà, tu viens de voir trois des Tuléens. Négocier un ou deux Tembo, bah, même problème que pour le carnage. Les Tembo, c'est pire encore, c'est que... Ils sont même pas en concept. On en a deux en concept. Et donc, ça fait vraiment pas lourd pour asseoir une faction. Hein. Et donc, le premier morphing, ne serait-ce que l'anatomique, n'est même pas posé en 3D, donc ça va être très très long. Ça va être très très long. Pour Carnage, c'est assez nouveau pour nous, mais on est vraiment dépendant des modeleurs 3D. Parce qu'à l'heure actuelle, tout Briscard est fait en interne, donc on peut toujours s'en sortir. C'est-à-dire que si on a besoin de travailler jusqu'à 2h du matin, on travaille jusqu'à 2h du matin. Là, quand c'est une personne extérieure. Quand c'est d'autres et qui travaillent déjà jusqu'à 2h du matin, on peut leur demander d'en faire c'est autant. C'est ça. Donc, on est vraiment dépendant pour Carnage de nos modeleurs. Non, vraiment, hein, il ne faut pas croire. C'est pas, je me raccroche pas et je ne me cache pas derrière ça systématiquement. Mais typiquement, si on était capable de sortir deux modélisations par mois sur Carnage avant le Covid et qu'on a dû passer à une pendant le Covid, c'est parce qu'ils sont vraiment submergés par leurs emplois respectifs et par leurs nécessités administratives respectives. Et que du coup, bah, le temps qu'ils pouvaient consacrer à Carnage, il est ralenti pour l'instant. Quoi. Il est bien moindre. Et donc j'espère qu'on va retrouver une certaine logique, un certain bon sens déjà au niveau administratif, au niveau gouvernemental et au niveau gestion de cette crise. Parce que il faut qu'on recommence à vivre hein, et qu'on recommence à jouer, à se faire plaisir, à se rencontrer en salon, en tournoi, etc. Mais aussi qu'on réapprenne à vivre bah, simplement parce que voilà, c'est une maladie comme tant d'autres qui existent et donc il faut vivre à côté et qu'eux vont retrouver cette capacité justement à reconsacrer du temps à Carnage pour pouvoir faire tout ça. Tu sais qu'il fait des captures d'écran, hein, il va faire un zoom et demain c'est sur Internet. Et donc ouais, j'espère que tu vas voir très vite. On est en train de chercher. Un autre compagnon justement pour pouvoir assurer l'aventure du KS sur les Tembo, sur les chémistes, etc. Pour pouvoir assurer ça parce que bah, comme d'habitude vous nous connaissez maintenant, si on s'engage à quelque chose et qu'on lance un Kickstarter, on s'engagera et on se tiendra à nos engagements en termes de délai, en termes de production, en termes de design, etc. Et donc, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir être à la hauteur de nos engagements. Et c'est pour ça que des fois, vous n'avez pas forcément l'information ou que vous réclamez des choses qui sont déjà dans les tuyaux, mais on n'a pas encore finalisé vraiment la chose pour pouvoir vous en parler. Par exemple, on a déjà parlé du pack de cartes ou des cartes V2 pour certains profils à Briscard. À l'heure actuelle, les profils sont là, mais on ne sait pas encore comment vous les proposer. Il y en a encore quelques-uns à tester pour les redresser, etc. Ouais. Et puis après, ça va dépendre de la capacité à créer le packaging, c'est-à-dire à décider qu'est-ce qu'on conditionne ensemble, est-ce qu'on fait par faction, est-ce qu'on fait un package complet, etc. Et une fois qu'on a fait ça, la mise en page, l'envoi à l'impression, la réception des impressions, le conditionnement, et puis on pourra proposer le paquet de cartes. Et donc voilà, on ne sait pas combien de temps ça va prendre tout ça, mais c'est comme pour tout, dès qu'on sera sûr de la date, on vous en donnera une. C'est ça. Donc c'est une première quand même de vous annoncer un truc alors que ce n'est pas finalisé. C'est la première fois, ouais. Et typiquement, par exemple, là, tu vois, on attend la sculpture du prochain Briscard qui sort ce mois-ci. C'est pour ça qu'on ne donne pas de date.
Et on attend la modélisation, la fin de la modélisation. Ce mois-ci, mais le mois de mai, c'était pas que les pingouins. On en ressort, là ? Je sais pas. Je sais pas. Ah, si. Si on reçoit, bah, on reçoit. Si on reçoit pas, on reçoit pas. Donc voilà, on ne sait pas si ce sera au mois de juin, si ce sera au mois de mai. Pour Carnage, on attend la modélisation en très loin, celui-là. Très très loin. Très très loin, parce qu'il est très très gros. Ah, il est très très gros. Oh, alors. Juste le... Et ça, c'est juste son point. Ah non, c'est pas le bon bras. Oh mince. Je pensais que c'était le pichon qu'on allait voir. Une fin de live complètement hors de contrôle. voilà, donc oui, il y a la capture et l'écran du bisou qui il y a un goon qui arrive d'ici la fin du mois, ça c'est sûr, et pour Briscard, bah, ça arrive. Le goon, j'ai déjà vu, il est en train de se mettre en place. C'est ouais. Mais du coup, plein de projets dans les tuyaux pour un redémarrage en sortie de crise, normalement sur les chapeaux de roue. Et on fera le maximum de salons qu'on peut, quitte à faire des fois deux salons sur un même week-end. C'est-à-dire qu'une partie de l'équipe part à droite pendant que l'autre part à gauche. Oh. Voilà, il fait du spoil sur son téléphone, ça devrait être interdit. Oh, il y a un petit problème de jeu. Ouais, non, je vais pas montrer. Sympathique. Donc ouais, on avance, on prépare des choses. Voilà. Voilà. En tout cas, un énorme merci à tous d'avoir été là, d'avoir été moteur dans ce live, parce que c'est vous qui posez les questions et c'est nous qui essayons d'y répondre. Ça me rappelle le jeu où tu avais les canards qui sortaient de l'écran, il fallait les flinguer. Ah ouais, moi je me rappelais de Galaxian, tu sais, où ça tombait la Space Invader et tu faisais ça avec ton mécanique. C'est effectivement les canards, ouais, mais je me souviens plus du nom de quelque chose. Là, ouais, je me rappelle aussi celui-là. Duck Hunt, ouais. Ouais, bien joué. Bien joué, Lionel. On voit les geeks. Hein. Ouais, c'est un de mes premiers jeux quand même sur console. Hein. Ouais, t'es vieux, toi. Moi, mon premier jeu sur console, tu vois, c'était les balles de tennis, c'était carré. Et les raquettes, c'était des barres. C'était des barres sur mon Atari 2600. Ah non, mais moi, Atari. Ouais, mais attends, tu me montres trop là, putain. Ouais, mais ça a été un peu flou, toi. Ouais, c'est vrai. Non, enfin voilà, ils arrivent bientôt, vous inquiétez pas. Mais si, pour que Gwen valide des Tuléens, je t'assure que. Mais non, mais les Tuléens. J'en ai chance de voir. Ouais. Pas ce que je fais. Attends, qui a fait des tournois avec des listes en 400 PO, Tupilec, 4 trappeurs, un chasseur ? C'est toi peut-être ? Bah non. Et donc, ouais, encore un grand merci à tous. On essaye de se donner rendez-vous. Pas même jour, même heure, parce que c'est un peu couillon de dire ça, mais en tout cas, si possible, au moins le deuxième vendredi du mois de juin. Donc ouais, on va commencer pour les lives à essayer de faire un live par mois, donc tous les deuxièmes vendredis du mois. Et si vous en réclamez plus et qu'on a la possibilité d'en faire plus, peut-être qu'on envisagera. Ce que je vous invite à faire, parce que là il est déjà ennemi, il va falloir qu'on y aille, mais ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez vraiment des questions, de les poser justement pour les lives, là, dans la salle de réunion, de poser vos questions comme vous l'avez fait ce soir. Et si on voit qu'il y a trop de questions qui s'accumulent, alors peut-être qu'on prendra le temps de faire un petit live, de vous dire voilà, finalement dans 3 jours, on fait un petit live pour répondre à toutes ces questions-là. Et comme ça, on entérinera et puis on pourra passer à d'autres pour la fois suivante. C'est peut-être pas une mauvaise manière de faire, c'est peut-être une démarche un peu différente, mais peut-être que c'est pas idiot de traiter les questions au fur et à mesure, si jamais il y en a beaucoup. Après, pour le fonctionnement de ce Discord, n'hésitez pas sur les différents salons, dans les différentes factions, etc., à poser vos questions. D'autres joueurs vont y répondre. S'il y a nécessité, on interviendra pour y répondre parce que la réponse n'est pas complète. Si vous avez vraiment un doute, n'hésitez pas à nous taguer avec @admin. Comme ça nous permet d'avoir un focus sur la question. Et j'essaierai au moins une fois par mois de
compiler toutes les questions pour les remettre dans les facs et errata. Voilà, voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ce soir parlé de points de règle. C'était l'heure des rencontres plutôt, mais on est là aussi pour vous expliquer des points de règle, des points de profil, des choses que vous n'avez pas forcément compris ou interprétées différemment. Oui. Ça va aussi et surtout servir à ça. Et dernier petit point avant qu'on se dise au revoir. S'il vous plaît, participez aux rencontres héroïques. Dites à vos potes de participer aux rencontres héroïques. C'est en fait ce qui va permettre de recréer du lien et de recréer de la profondeur dans Carnage et dans Briscard, parce que chacun va avoir une expérience, va avoir du vécu en partie à raconter aux autres, et nous on va pouvoir ensuite le mettre en lumière, et c'est le but des rencontres, on va pouvoir le mettre en avant. On a eu un petit souci, on avait commencé à faire une galerie complète. C'était juste les nerfs, ça, je vous le dis en aparté. On avait commencé à faire la galerie complète, un album complet sur la page Facebook avec toutes les photos. On était arrivé à presque 70% des photos qu'on avait reçues des parties, et Facebook a supprimé notre album. Ouais, il devait y avoir trop de femmes à poil dessus. Je sais pas, c'est peut-être qu'il y avait une fourgue. Ils ont identifié une goulue, ils ont supprimé. C'est de ta faute, ça, Vincent. T'as mis une goulue en plein écran et ça a été coupé. Et du coup, on l'a parfait parce qu'on n'a pas eu à nouveau le temps de refaire l'album, mais voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre de créer du contenu et de créer du poids pour les deux univers, parce que vous aurez joué, parce que vous aurez déterminé l'avenir et ce qui se passe en ce moment sur Briscard et sur Carnage. La phase 1 était bien parce que c'était les rencontres, la phase 2 elle se durcit un peu, peut-être que la dernière phase de Briscard ce sera contre des aberrations, peut-être que la dernière phase de Carnage ça nous permettra de découvrir les tempos et les chemists. Donc allez-y. Tapez dedans, jouez aux rencontres, faites partie des rencontres, invitez vos potes à en faire partie. Sachant que en plus, vous pourrez peut-être faire partie de l'histoire. C'est une certitude, les gagnants feront partie de l'histoire. Bah, c'est pour ça que je dis peut-être, parce que tout le monde ne sera pas gagnant. Il y a Angel, ton rouflot, je ne sais pas comme tu veux, ton trophée t'attend encore à la maison, je ne l'ai pas envoyé. Par contre, la plupart des autres, à part Maxime, les autres ont déjà dû recevoir leur trophée. Ce qui est bête, c'est qu'il était là dimanche. Faut que tu me dis, je le ramène. Et donc, voilà, il y a des trophées à la clé à chaque fin de phase, et il y a surtout la postérité dans le fluff à venir pour le grand vainqueur. Doug Dual, on vous attend. Peut-être. On a lu effectivement les règles. On reviendra vers vous. Il a triché, Maxime. Alors, si c'est à Briscard, c'est complètement autorisé si ça se voit pas, la triche. Oui, ça on peut rien dire. S'il est doué, il est doué, qu'est-ce que tu veux. Voilà, voilà. Donc du coup, sur ce... Eh bien écoutez, merci à tous. Ouais, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, et à tout bientôt. On reste en ligne, mais pas en live. C'est ça. Ciao, ciao. Ciao.